Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.
Yo les potes, j'arrive. Vous inquiétez pas, je suis là. Yo les gars, bonsoir. J'espère que ça va bien pour vous. Objectif de la soirée. On continue déjà sur Arc, l'aventure. Ça ne change pas. Arc Cluster, 11e jour de stream les gars. Parce qu'on est jour 11 en stream. On a joué un peu plus en off tout ça. Je dirais que j'ai à peu près 12 jours de jeu à peu près. Enfin 12 soirées. Mais on est sur le 11e jour en stream. Si on doit faire un bilan de ce qui s'est passé. Bonsoir à ceux qui sont là. Si on doit faire un bilan, on a spawné sur The Island. On a fait la map. On a spawné sur The Island. On a tamé des dinos. Enfin, les dinos de repro. On a abandonné la reproduction de dinos de boss. Beaucoup trop long. Beaucoup trop long sur ces serveurs et tout, c'est de la merde. On a commencé les caves. On espère ce week-end faire les premiers boss. Ça serait cool. C'est déjà pas mal. Après, c'est déjà pas mal, mais... Ça fait quoi? Ça fait 15 jours qu'on est dessus, du coup? Ouais. Il faut que dans une semaine, la map soit pliée, quoi. Très honnêtement. Sinon, ça va être trop long. Donc, dans une semaine, la map est pliée. Et du coup, on va continuer. Ah, on a notre petit Stifler qui est en jeu. Donc, voilà. On va rejoindre notre petit Ben. Yo! Yo! Ça va ou quoi? Et toi? Ça va. Je faisais un peu le point de ce qu'on avait fait et tout. Yes. Il y a trop de loups dans cet enclos. Il y en a des loups là-dedans. Il y a des loups partout, mec. Tu veux que je te dise, je suis un peu déçu du serve. Sur les repros. Ouais, que ça va passer vite. Ouais. Je suis vraiment déçu parce que... En fait, là, on a le problème du... Des gestations, c'est insupportable, quoi. Là, c'est pareil, les basilos. Une dinguerie, les basilos, là, qu'on se le dise. Bon, bah là, déjà, il y a un problème, tu vois. Donc là, il faut que je gère celui-là. Mais ouais, les basilos, c'est... C'est tellement grand que bon. Hop. Là, moi, ça y est, j'ai mes deux pteramales 342 là. Ah, mais ça, c'est bien, tu vois. Mais moi, par exemple, je peux pas le faire avec les tilas, quoi. Tu vois. Ouais, bah. Vas-y. Je vais pas dire que j'abandonne, tu vois, mais. Ça me saoule un peu, quoi. Ouais. Ça, honnêtement, ça me saoule parce que j'arrive pas à obtenir
j'arrive pas à obtenir de trucs cool quoi. Et pff, bah ça fait chier. Ouais, je comprends. Ah oui, j'ai modifié mes paramètres graphiques. Ok, voilà, on est bon. On pourrait la réduire, non? Ouais. On fait pour gagner des FPS, ça, mais bon. 50 FPS dans la base, là, vraiment? What the fuck? Bah ouais, plus va, plus il y a des trucs dans la base. Bah ouais, ouais. Plus il y a des loups, surtout. Ouais, alors ça, je trouve ça nul, hein. Tu peux tous les cryos, là, s'il te plaît? Tout ce que tu trouves, tu cryos? Tous les dinos en fait où on n'a pas besoin qu'ils soient dehors, on va les cryo. Parce que bah parce qu'au final si c'est juste pour les sortir et nous faire laguer alors bon y en a qui lagueront pas mais tu vois genre dans la base genre j'arrive à avoir j'arrive à avoir dans la base 80 FPS, je sors dehors et j'ai plus d'FPS quoi. Donc bon, je t'avoue un peu le seum. Donc tous les dinos qui servent à rien là. Par contre Cavenator, hein, on en voudrait pas mais hop, le Stego. Garde le Stego, mets-le en haut peut-être. Ok. Les dinos marins pareil là, tu vois là, Archelon. Honnêtement. Là. Voilà, le Spino pareil. On aura pas d'intérêt à ce qu'il soit dehors. Alors là, les dinos marins, je vais essayer d'y regarder. Parce que là, il y a les bébés juvéniles, tout ça, on est bon. Ok, bon, bah là, les basilons, on va les laisser. Hein. On a pas trop le choix. Il n'y a pas un Karcha qui traîne, je crois. Si, il y a un Karcha qui traîne. On va aller s'occuper du Karcha. Hop. En plus, c'est une merguez, notre Karcha, donc aucun intérêt à ce qu'il soit dehors. Voilà. Et là, il y a tous les loups, là. Ouais, ouais. Il y en a combien? Que je rigole? Beaucoup, non? 6, ça tout? Après, on en avait que 3, donc tu vas me dire. J'ai vu que t'avais fait vous aviez fait une porte, là. Très bien, ça. Allez. Et ça va tout là-dedans. Ah, ça n'aurait pas d'intérêt d'avoir tous ces trucs-là. Les loups, bon. C'est très bien, hein, les loups. Mais genre... pas en promenade quoi. Enfin pas en reproduction quoi. Pareil pour les tchilas. Ils sont en promenade. Pareil pour les tchilas, afin que j'en dégage. Ils sont en promenade, ils se mettent en repos. Non. Alors attends, je vous explique. Si tu le mets en promenade, il se reproduit pas. C'est que parce que vous avez permis l'accouplement. Non. Il y avait juste la promenade activée. Ok. Nouvelle fonctionnalité que je connais pas, ça a jamais pu. Les loups à la base, c'est pour bouffer des dinos qui spawnent. Parce ouais, bien sûr, bien sûr. Ça, j'ai bien compris, Ludo. Mais, non, mais attends. La reproduction, quand tu mets en balade, de base, ça ne permet pas l'accouplement. Mais bien donné. Sûr que si, vieux. C'est pour ça qu'il y a eu le Hitching Post. Celui où tu mettais tes dinos, t'accrochais les dinos, tu sais, avec une laisse à un bout de bois sur le S+. Et comme ça, ils bougeaient plus. Et tu les mettais en balade pour qu'ils se reproduisent. Ok. Si, ça a toujours été ça. Ok. Cette île là, je m'en sers pas pour le moment. Qu'est-ce que je voulais faire moi? Je voulais faire un truc. Ah. Des balles, des grappins et tout ça, parce que. Plus rien. Y a déjà plus rien? Ouais, c'est terrible. Mais du coup, y'a plus de métal quoi. Sur moi, j'ai plus rien. Ah, ça, je les laisse ces deux là parce qu'on a besoin. Celui-là aussi, bah ça, c'est le mien, plus ces deux autres.
Ok. Après, j'avoue que là-haut, on a 1 milliard d'argentavis et tout. Ça ne va rien vu qu'on n'utilise plus un seul argentavis. Bah, c'était pour les keyballs, mais pour l'instant, les keyballs, on est bien. Hein. Mm. Allez. Que oui, oui, je peux. Si, moi, l'argentavis, je m'en sers pour. Oui, oui, en kilo. Non, non, mais ça, c'est kilo, très bien à la limite. Qu'un, mais, ouais. Mais oui, il faut diminuer quoi. Ok, donc combien de temps il sort là le... 5000. Et tu là bon, je vais en laisser deux. On va lancer Arc Smart Breeding. Attendez les gars. Tech. J'ai plus de bouboule. Importe. Là il faut que j'importe. Wally. Importer. Moby Dick. Importer. Verdure, ajouter. Ok. Et lui, il faut que je réexporte les dinos. Exporter. Voilà. Ça gère mal une femelle quand même. Ah, allô. Putain, j'arrive pas à... Attends, mais c'est pas un... C'est une reproduction, lui. J'arrive pas à le... C'est pareil, je vais enlever les ptera du coup. À part les miens qui se reproduisent là. Pic pic sudette. On dégage. Hop. Moi j'arrive pas à comprendre. C'est censé être une repro lui. Ça va dégager aussi. Ouais, bien d'accord, c'est une repro. Oui, c'est une repro. Pourquoi j'arrive pas à sortir les stats? Créature, export du nom. Alors. Import data. Copy value. Ok, c'est bon. J'ai les stats. Maintenant, plan de reproduction. Ouais, bon, c'est manque de la kératine et de la chitine. Il a pas changé mon plan de reproduction. C'est toujours Déméter et Arthos et... Ah ouais, en vrai, je pourrais faire ça. Et là, là... Là, j'en en mettre un qui était 300. Une femelle. Attends, faisons un test, la femelle, là. Oh là là, je me saoule, ça. J'ai pas de sel, là. Ouais, j'ai plus de sel, fais chier. Je vais la renommer, elle. Créature. Changer son nom. Je vais l'appeler Philippine. Comme ça. Tac. Afficher. Boum. Déméter à Athos. Tac. Créature, export du nom. Je vais l'importer là. Parce que peut-être que, grâce à elle... obtenir un nouveau plan de reproduction. Eh ouais, voilà, c'est ça. 354. Donc il faut que je fasse reproduire Philippine et Verdure. Eh ben, c'est parfait. Je vais... Lui, autre option, désactiver l'accouplement. Verdure, autre option, permettre l'accouplement. Et Philippine, autre option, permettre l'accouplement. Et les deux vont s'accoupler, là. Voilà, parfait. Et là, la possibilité d'obtenir des stats, elle est incroyable. Ok. T'as fait tous ces outils là. Ouais, c'est les outils de hier, non? C'est ça, ah, non? D'accord. Comme ça, normalement, ouais, c'est les outils d'hier. Mais j'ai trop de lumière, moi. Voilà. Les outils, les deux carnaux, je vais les virer aussi. Hop. Je vais me chercher une selle de Tila. Je vais me faire une selle. Tila. Ah, c'est sur nous le Tila? Ah non, c'est TH, Tila. Ouais, c'est ça. Bon, oh, bah, il y a de quoi en faire une. On va en faire deux. Irisino, c'est pareil, je vais en virer. Hein. Bah, en gros, pour moi, même les dinos, à part nos dinos de balade, qu'il faut qu'ils soient dehors, mais même les dinos de farm, soit on fait un côté esthétique, tu vois, quand même de la chose, à avoir quelques dinos dehors, tu vois. Mais il faut qu'on fasse un truc, quoi. Genre, par exemple, toutes les constructions en haut, là, l'énorme construction, il faut qu'on s'y mette à la... Ouais, à la bouger, ouais. À la bouger, tu vois.
parce que bon bah c'est dommage d'avoir une base hyper esthétique et d'avoir un énorme cube au-dessus, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Tiens, et on a toutes... Attends, on a toutes les... Je vais faire ça, moi. Là, c'est toutes les tables de craft, on est d'accord? Ah oui, oui. Hamster, roof, switch, glass, door, cuisine, ameublement, table, donjon. Ah. Non, j'en veux une. Elle a plusieurs variantes, donc je vais regarder la gueule de la table. Oh, on a quelques œufs en rab. Elle a plusieurs variantes, il paraît. Hop. Structure variante. Ok. Ah, des œufs, on en a pas mal quand même. Hein. Ouais, stylé ça alors. Hop. Ramassé. J'enlève les clims du salon, au fait, pour info. Il faudra qu'on les mette ailleurs. Je vais tenter de faire notre salon. Vas-y. Alors. Ça, c'est quoi ça? Settler. Structure. Ameublement. Si on voulait faire bench, salon et sur la terrasse barbecue, tu sais. Ceiling. Door décoratif. Ascend. You get the ceiling to create a small. Ok. Décoratif wood accent. Ok. Ça peut, on peut mettre des trucs. Gates. Glass. Donc ameublement. Bench. On va faire un salon. Qui dit salon dit genre je veux. 1, 2, 3, 4. Donc j'en veux 4. Fabriquer 4, ça j'en veux 2, on a dit. Ah, je peux pas. Ok, là, c'est ici la table, je crois. Structure, ameublement, hop. Et là, j'en veux une. Hop. Ok, ça c'est quoi? Structure, ameublement. What? Ah oui, ok, ça c'est genre. Décoratif. Light, oui. Wall accent bin can be placed support sur l'arrière. Ok, roof. Électrique. Ouais, ça c'est stylé. Ça c'est quoi? Ok. Ah oui, ok, je viens de comprendre. Ça c'est village et ça c'est settler. Ok, là j'en veux deux, du coup. Je vais prendre les quatre bancs. Je veux les deux chaises. Et du coup, il manque des tables. Ok, là, il doit y avoir la table. Voilà, parfait. Et là, ici, ameublement. Ok, il y a ça. Jump, je m'en fous. Light, saddle, stockage, structure. Ok, trophies. Stockage, ça, c'est genre, ok. Foundation gate, gas, roof, cuisine, blacksmith, battlement. Mais il y avait un truc où. Oh, ça c'est futuriste. Et là il y a quoi? Foundation, roof, ramp, ramp, light. Ok. Il manque un truc. Il manque une table. Ah non, elle est là. Ouais, Eco Garden. Ameublement. C'est bon. Fence, light, structure. Décoratif, fence, contain, on s'en fout, light, ok, ameublement, je suis con quoi, costume, il manque encore un truc, j'arrive pas, je verrai après, déjà, il est où le milieu, il est là, le milieu est là, donc, ok. Ah putain. Hop. On va mettre les bancs. Merde. Enfin, j'ai dit les bancs.
Ok, on va mettre les chaises. Ok. En vrai, si je fais ça, c'est plus simple. Ok. 5 variants. Oui, on va mettre ça. Ok. Ah, c'est bien. Là. Ok. Cabinet décoratif, voilà. C'est bien ça. Light, Mount, Rugs. Parfait. Les tapis. Faire des tapis. Là, on va en faire deux comme ça. Et utility. On s'en fout. Ameublement. Voilà. Sofa. Bookstage. Ça, on va en faire. 8. Ah oui, c'est 8. On va voir. Tu sais que tu pouvais changer le... Le design ? Ouais. Ah bah oui, du coup, oui. Ok, on est bien. Ah. Là. On va se jouer comme ça. Ramasser. On est reparti. Ok, là on a ça. Ça faudrait que je le décale en fait, tout ça là. Tout ça je vais le ramasser. Quoi ? J'ai ramassé quoi là ? J'ai ramassé quoi ? Oh non, j'ai ramassé des structures. Ah ouais, bah alors attends. Placé. Elles peuvent pas se snapper ? Si, si, si. Ah, mais. Ah. Hide. Ok, d'accord, je viens de comprendre comment ça a été fait. Je savais pas. Ok. Placé. Donc là, le milieu est là. Vers ça. Donc je me décale. Comme ça. Comme ça. Ah. On n'est pas trop mal. On va mettre les bancs.
Ok. Ok, et on va placer les chaises du coup. Ok. On va la ramasser, elle est trop loin. Ok, c'est bien mieux. Structure, boum. Structure, boum. Structure, boum. Boom. Quoi? Ah. Ok. Ok. On va mettre ça. Ok, je peux pas faire autrement que de mettre comme ça. Ah, j'en ai qu'un là. Ah oui, il est disparu. Ok, très bien. C'est pas grave, on va en refaire un. Rugs. Là, j'en veux un, j'ai dit. Boom. Fabriquer un seul. Moonk Abemblement. Hop, ça, j'ai dit que j'en voulais une. Fabriquer un seul. C'est quoi ça? King Bane. Schéma desk. Ah oui, ça, on va en faire un. Hop, fabriquer un seul. Et on va faire hop. Hop, ça, cabinet, on s'en fout, décoratif, ouais, flag, lights, les lights, elles viennent pas d'ici, mount, on va en faire un, on va le mettre au-dessus, mount, utility, et quick, snap arraché, ok. Quick way, ok. Hop. Du coup, elle, on la ramasse. Je vais la mettre là. Ok, tapis. Il va aller là. Voilà, on est bien. Elle, placée. Ok, là, placé, normalement, on est bien d'accord, on rentre pile poil. Parfait, ça, je peux le placer là, normalement. Voilà, parfait. Ah, yo, Rel. Allô? Yo. Ah. Hey, yo. Ok. C'est joli ce que t'as fait. Oh, pff, je suis pas hyper satisfait, mais j'essaie de combler le côté mur avec des bibliothèques. Mais c'est pas... Du coup, t'as planqué les réfrigérateurs, enfin les réfrigérateurs, les... Ah non, non, je les ai, mais effectivement, j'aurais pu les mettre dedans, effectivement. Ah ouais, mais c'est trop tard maintenant. Je peux faire du moderne, hein, avec l'ancien. C'est vrai, il fait voir. C'est beau, avec climatiseur hein, comme ça. Ah ça ouais. C'est beau. C'est les subwoofers. Ouais. Ouf, ouf. Ah, attends, c'est compliqué à mettre là. Ouais, bah tu sais quoi, ils vont aller là. Cause hein. Des tri. Hein. Hop. Non, tu es. Et hop, voilà. Ah non, c'est bien, c'est le groupe clim qu'elle. Ouais. Ah bah dis-toi que là, tu dois pouvoir faire éclore les œufs ici. Ça, c'est bon. Pratique. T'as vu, Ben, ce que j'ai fait dans la chambre? Ouais, bah ouais. T'as essayé hein? Bah non, mais si j'essaye de prendre ton stuff. Bah essaye, là j'ai viré le mien. Ouais, non, t'inquiète, t'inquiète, je suis parti. Ok, bah. Mais oui, oui. De quoi? Qu'est-ce que vous avez vu? Non, j'ai pas vu. Regarde. Vas-y. Vas-y. Ah, c'est l'armory ouais, chest là? Ouais, c'est moi. Tu fais échange ton inventaire avec, tu vois. Tac, et voilà. C'est hyper bien. Ouais, c'est trop bien. C'est hyper bien. Franchement, tu vois, je voulais faire ça.
Je voulais les mettre dans le couloir à la base, c'est en mettre un peu dans le couloir, mais ce qui fait chier, c'est ce qui est en haut. Que ça fait moche. Du coup, on aurait bien fait un pour chacun dans chaque chambre. C'est plus pratique que les coffres, je trouve. Ah non, mais 100%. Tu prends, paf, paf, terminé. Non, mais 100% par contre, je suis entièrement d'accord. Beaucoup plus pratique. On va sous l'eau ou pas? Je ne sais pas encore. Ok, voilà. Tu fais, Ben? Je suis parti chercher du polymère. C'est ça, ouais. Tech. Bon, on a un salon à peu près. Voilà. À peu près un salon. Ouais, si, c'est bien. Tech. Très très bien. Plus qu'un petit feu de cheminée, on est bon. Hop, on va aller voir normalement. Et le petit. Qui a du pop là. 298. Putain. J'en veux pas de cette merde. Je sais pas si t'as vu, Ben, j'ai Tom un... Comment ça s'appelle? Je sais plus. J'ai perdu le nom. Ah, le truc qui te donne de l'oxygène? Ouais, aussi. Ah ouais, le truc est dans l'eau. J'ai vu. Ouais, non, mais c'est pas ça. J'ai fait deux basilos. Maintenant. Ah oui, ils sont en train de devenir adultes, ouais. Ouais, et t'as vu, j'ai fait un... Comment ça s'appelle? Oh, ben, je vais pas y arriver. Un stego. Ah oui, j'ai vu le Tesago. Ouais. On a commencé à ranger quelques dinos. Non pas qu'on les a tués ou quoi que ce soit, hein, mais parce que bah, ça commence à bouffer pas mal de... Ouais, ça bouffe. Ouais. Donc du coup... Et sachant que quand tu les mets en boule, quand tu les mets dans le truc, ils continuent à bouffer. Ah non, ouais, alors je me suis mal exprimé. Quand je dis ça, beaucoup de bouffe, genre en mode... Ah putain, je suis con. En mode ressources pour les PC, quoi. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Ah, j'avais pas cette info là. Ah putain, je viens juste de comprendre d'où il sort son bonnet nain. Ah, tu l'as trouvé. Ouais, je viens de le trouver. Ça y est, je viens de comprendre. C'est excellent. Attends, c'est quoi ça? Incroyable ça. Fabriquer un seul. C'est une porte? Oh, attends, si c'est une porte, elle est trop stylée. Laquelle? Bah, une porte chelou, placée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Bah, littéralement, je comprends pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Stone bring gate. You can and pick up snap to garden gate frame. Ah! Oui, ok, je viens de comprendre ce que c'est. C'est de la merde. Oui. Ok. On va essayer quoi. Bah, c'est de la merde, oui. Ah oui, c'est de la merde en boîte. Ok, bon, on a au moins un semble. Ah oui, mais là vous avez fait 3 lustres, c'est pour ça qu'on a beaucoup de lumière ici, ok? Bah ouais, parce que sinon on y voyait quasiment rien. Enfin, je me comprends. Ok. Et eh bien, ouais, j'ai 5000. Ah, on a plus d'énergie, je crois. Il y a un truc qui a fait. Oh mince, quel con. Excusez-moi. J'ai voulu regarder s'il restait du pétrole. Alright. On a combien de basilos, ok? 3 de toute manière. 4 normalement. 4? Et bien, on peut aller faire la cave dans l'eau, si vous voulez. Attends, je regarde. Par contre, il faut des bouteilles de plongée mythique. 3.
On en 3. Elles sont, où les bouteilles de plongée mythique? Elles sont là. Ok. Donc là, on a ça. On en a 3. On a masque. Ok. Des palmes. Palmes, j'en ai rien à cirer, moi. Là, j'ai ça. Ah, mais j'ai plus assez de jaune. Je vais me faire du jaune. Ah oui, tu as un petit jaune avant de partir. Alors, non. Pas sous cet angle-là. C'est un peu. Olé, olé, quoi. Il y a un bébé d'éculéo dehors. Ouais, ouais, j'en veux pas. Il est rogné. Je l'ai rogné. Mais juste. J'ai mis où les kangourous? Je les ai cryo en attendant qu'on s'en serve. Ah, bien joué. Et le parosaur? Le pareil, je l'ai cryo parce qu'en fait, il arrive pas à détecter mon Tila. Il était pas en tourelle tout à l'heure. J'ai dit qu'il était en tourelle parce qu'il a détecté les pteras. Ouais, mais il détecte pas mon Tila, moi, par contre. Je comprends pas pourquoi. Parce qu'il est censé, non? À moins que je suis complètement con. Ah bah oui. Censé détecter les ennemis. J'ai des couleurs, mon pote, sur cette série. Je suis violet et jaune. Un loup. C'est terrible. Ok. Moi, j'ai ce qu'il faut côté stuff, les potes, si vous voulez. Je vais... Bon, moi, j'ai ce qu'il faut aussi. On va faire la grotte sous-marine, là. Il faut une selle, là, pour Pépère. Pour ? Pour un basilo. On a dit qu'on allait faire lequel, là ? La meute, c'est pas celui-là. La bête ? Oh non, c'est la bête ? Bon. Ouais, c'est la bête qui est... Ok. Moi, alors, si ça vous intéresse, je reviens avec de la polymère pour faire des harpons mythiques. Ouais, je t'avoue... je m'en sers un peu de coquillard, là, moi. Mais... Attends, là, on a une selle mythique sur celui-là. Là, il y a Moby Dick. Moby Dick est en train de se reproduire comme une grosse vache. Il y a une selle mythique aussi sur Moby Dick. Lequel autre? Il reste quoi d'autre comme Basilo qui est OP, là, qui est prêt? Il y en a plus? Il y en a un qui est nu, qui n'a pas de selle. Ah oui, Basilo 286. Ok, et normalement, il y a une selle dans les... Ouais, je l'ai. Elle est mythique, 350 d'armure? Ouais. Ok, parfait. Donc, on est bon. 350 d'armure... Ah non, j'ai pas la mythique. Qui est déjà faite? Ouais, elle a été fabriquée déjà. Oh pardon, excusez-moi. Normalement, il y avait 4 selles mythiques prêtes, quoi, en gros. Dont 2 qui sont équipées sur des basilos. Et 2, bah, comme on n'avait pas les basilos, elles sont dans les trucs de selles, quoi. Ça. Moi, je suis ready to go. C'est bon. 200 cartouches. J'ai beaucoup trop de balles de shotgun. Enfin, de longbow, là. Long riff. Ouais, long riff, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai le longbow. Je suis en train d'arriver, hein. Je suis encore dans le biome. C'est bon, j'ai là. Je suis giga lourd. Ça c'est bon. On n'aura pas froid puisqu'on est sur des basilos en plus. T'as ta bouteille d'oxygène, Aurel ? Ouais. Ok. Bah... Je vais peut-être poser mon armure. Garde-la parce que si dans la cave, après il faut qu'on sorte, je crois, des basilos à un moment donné. Donc je pense que c'est peut-être mieux que tu la gardes. Ah, yes. Parce que si on se fait. On va dire choper le crâne. Tu vois, au départ, je voulais les mettre là, genre les armor stands, là, genre en mettre un là, un autre de l'autre côté. Ouais, tu ça me choquerait pas. Tu tac, sors, tac, t'appuies sur E, boum. Ouais, c'est pas plus mal. Hein. Et au pire, on peut les peindre. Ils viennent jusque là. Ils viennent à moitié du carré là. Tu mets ton skid au pire. Ah ouais, ouais. Ouais, tu fais comme moi, tu mets mon skid. Parce que normalement, c'est pas ça. Non, mais tu peux peindre le. C'est moderne. Le truc là. Je sais pas, j'ai pas essayé, j'avoue. Moi je pense que tu vas pouvoir le peindre. Ah, elle est belle votre chambre. Ah, mais c'est la torche qui fait du bruit dans votre chambre. Oui. Parce que là avec le S. Bah ouais, parce que là avec le S+, tout est genre silencieux. Et à chaque fois que je suis ici, j'entends du feu. Ici là. Et je me dis, mais il vient d'où le feu? Je viens de comprendre. C'est une petite ambiance tamisée. On y vaut bien à la base par contre. Ah ouais, moins qu'on puisse dire. Ah, j'ai récupéré des FPS, mon petit Benin. Je suis à 65 FPS. Ouais, c'est déjà mieux, ouais. Et 15 FPS, ça fait du bien. Ah bah 15 FPS, ouais, je vais... Ouais, très honnêtement, ouais, ça fait du bien, ouais. Bon, ouais, en ultra doit être à 150, mais bon. Non.
Ouais, mais parce que je t'ai pas donné... Combien? 49. L'insolence du cas. C'est clair. Non, pas 150, c'est vrai. Et encore, là, il est pas optimisé. Si je te donne mes réglages, je pense que tu dois passer à plus de 200 FPS. Oh, c'est sûr, parce que là, je les ai pas. Dans la base, c'est normal. Hein. Je suis à 70. Ouais, dans la base, c'est normal. Mais par contre, dès que tu sors de la base, parce qu'on a beaucoup de structures, beaucoup de trucs à charger, ouais. Et l'éclairage surtout. Mais j'ai jamais fait gaffe. Ah bah, sors de la base et tu vas comprendre. Tu vas monter à plus. Ah, toi, tu dois monter au moins à 150 FPS. Au moins. Mais c'est à cause. C'est à cause de l'éclairage et tout. Je sais pas si l'Aco il joue pas. Non, pas sur les FPS. D'accord. Faut que je fasse des réglages. Bah, en attendant. Ah, bah, tu sais quoi, attends, regarde. Tu fais échappe option, je vais te donner mes réglages. Pour. Bon, après, y a pas un milliard de trucs, mais. Tu me dis quand t'es dans les options graphiques. Vas-y. Donc du coup il y a graphique. Ouais, il y a marqué attends. Graphisme donc résolution, tu joues en 1920 par 1080 toi, non? Tu joues pas en 2K? Là je suis en 2260 par 100 par 1140. Ah, tu joues en 4K? Mais non, 2260 c'est même pas de la résolution 2K. 2560. Ah, tu joues en 2K toi? Ok. Ah si, c'est de la 2K, la résolution 2K. Pourquoi faut pas? Du QHD. Bah, non, non, mais attends, mais c'est hyper bien pour toi. Attends, non, c'est mon écran. Ouais, j'ai pris les configs de cet écran. Résolution QHD. Attends. Quoi d'HD, quoi? En gros, pour... Voilà, je sais pas. Tu joues en 2560 par 1440, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, donc t'es en quoi d'HD? Bah, propre. Bien joué. Okay. Alors après, qualité okay. Graphiste, tu dois être perso. Échelle de résolution, le curseur, tu le mets à fond. C'est bon. Mémoire tampon, tu peux mettre ultra, toi. Ouais. Distance de vision ultra. Anti-crénelage ultra. Post-traitement ultra. Ombre générale et ombre de terrain, tu mets élevé seulement. Ouais, c'est bon. Texture ultra. Ouais. Qualité du ciel, je dirais bon, les trois quarts du curseur. Parce que ça, tu vois pas la différence et tu perds genre 10 FPS à être à fond. Alors que tu vois pas la différence. Après, densité okay, des objets au sol, tu mets au minimum. Le curseur, tu l'enlèves. Ça te génère des cailloux que tu ne peux pas ramasser. Il n'y a pas d'intérêt. Ok. Distance des objets au sol, tu mets à fond. Niveau de distance ouais. De maillage, à fond. Et là, je ne vais pas dire tous les trucs, mais je vais te dire croix, pas croix, ouais. Pas croix, tout ça. Donc, le premier, ouais. Croix. Après, pas croix, pas croix. Après, ouais. Tu fais croix, 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 ouais. Croix, ouais. Croix, ouais. Croix. Ouais. Ouais. Là, pas croix, c'est donc animation distance simplifiée. Là, tu mets ouais, rien. Pas croix. Après, croix. Après, croix, croix, croix. Non, t'enlèves distance de diffusion de niveau extra. Ça, tu l'enlèves. Ah ouais ? Ouais. D'accord. Étalonnage colorimétrique, tu mets. Flou lumineux, tu enlèves. Parce que ça, mm-hmm. C'est de la merde. Et après, rayon crépusculaire, tu mets. Diffusion de faible qualité, bah, tu l'enlèves, sinon ça te casse tout ton truc. Ok. Là, tu fais appliquer, sauvegarder. T'as pas dû gagner un milliard de trucs parce qu'on n'a pas mis les réglages après sur Windows, mais t'as dû gagner quelques FPS. Pas forcément. 10. Ouais, bah, c'est bien, 10. Hein. C'est genre. C'est bien, fais-moi confiance. C'est... Après, je pense qu'en faisant les réglages. Il y avait pas mal de trucs qui étaient déjà réglés. Après, je pense qu'en faisant les réglages Nvidia, donc dans les paramètres d'affichage Nvidia et Windows, je dois pouvoir te faire gagner à peu près 20 FPS de plus, je pense. Moi déjà je suis pas mal, hein. Je suis à 70-80 FPS, je suis bien. Oui, c'est très très bien. Non, ça me paraît... Alors, je vais pas dire ça me paraît c'est tout. La 2K c'est... Ouais, tu joues en 2K. Tu passes en 1080p là, en résolution. Je peux te dire que tu fais une fois et demie plus de FPS. Donc t'as une très très bonne résolution. Hein. De la Quad HD, c'est, voilà, c'est genre une fois et demie mieux que la Full HD. Moi je joue en 1920, hein. Toi tu joues en 2560. Et après, t'as la Quad HD, enfin la 4K en 3800 quelque chose. Mais très honnêtement, à part une 4080 et une 4090, tu feras pas tourner de la 4K 60 FPS. C'est pas, on n'a pas des cartes prévues pour. Mais la Quad HD, c'est beau. T'as un bel écran. C'est ton écran à Aorus, ça. Enfoiré, t'as un bel écran, toi. T'as un bel écran. Là, je regardais ce soir, là, vite fait, sur Amazon, vu que c'est les Prime Day aujourd'hui. C'est sûr. Et bien, il y a un écran MSI, 27 pouces. Quad oh. HD, donc pareil, la même résolution que toi, 180 Hz en DALI PS, 168 euros.
Il me faisait envie. Oh, c'est pas cher. Mais le problème, c'est que je suis en 24 pouces partout, moi. Et un écran 27 pouces, bah, ça va me faire chier. Ça ferait trop gros. Ouais. Et j'ai essayé de prendre un Basilo sur nous, non ? Ah, moi, j'en ai un, moi. J'en ai pas. Quelques pots de sel. Après, trouver un écran 24 pouces Quad HD tout, c'est introuvable à des prix raisonnables, quoi. En fait, la résolution standard, c'est du 27 pouces. Peut-être que je devrais m'y mettre au 27 pouces, mais... Je sais pas. C'est bon, 160 balles pour un écran Quad HD et tout, c'est vraiment bien, quoi. Et puis bon, la qualité graphisme. En fait, je me dis, putain, j'aurais dû essayer ce week-end, voir ce que ça donnait. Jamais joué en Quad HD, ça doit être stylé. Hein. Bah, c'est une fois et demie plus net que ce que moi je vois, du coup. Vu que t'as plus de pixels. Je sais pas, j'ai toujours joué 7 Hz. Enfin, 7. 7 Hz, c'est quoi ça ? 7 FPS maximum. Le gars, il avait un écran, c'est même pas du 60 Hz. C'était un tube cathodique, les gars. 3. Non, je joue en 750 par je sais pas combien. Non. Pour qui je prends Moby Dick, moi ? Oh, si, j'ai jamais joué. Ouais. Ouais, tu prends qui tu veux. J'ai jamais joué comme ça, hein. Je joue sur des écrans. Non, mais attends, t'avais au moins de la Full HD. L'ordinateur portable avant. Eh ben, c'est de la 1920 par 1080 en ordinateur portable. Ouais, non, parce qu'il suivait pas. Ah, t'étais donc en HD, genre 900... En low memory. Ah, low memory, ça pique. Hein. Ensuite, ouais. T'as joué quand même en qualité convenable avec quand t'avais PC. Ma tour. Ouais. Mais sur ma télé. Ouais, ouais, donc pareil, enfin, tu perdais... Écran, ouais, mais tu perdais énormément pixels à cause de la taille de l'écran. Je me faisais un torticolis à chaque fois que je regardais d'un côté à l'autre. Ouais, normal. Pour une question de simplification, les gars, vu qu'on va à l'autre bout de la map, pour information, si vous voulez, petite info, si vous ouvrez votre map, on va au milieu à gauche, en genre 50-15, quoi. Dans l'eau à gauche, là. Vous voyez à peu près 50-15. Ah, voilà. J'ai pas découvert, donc... Eh ben, non, mais c'est là où il y a le... Ouais, okay. Eh ben, on y va, les potes. En plus, il va faire jour, donc ça va être cool. Ah oui, j'ai encore le Ptera éclaté au sol. Ouais, y'en a un 331 qui est dispo balade. Hein. Oui, bon, c'est pas grave, t'inquiète. Ah ouais ? C'est pas la fin du monde. Hein. C'est juste, je vais devoir me poser 10 fois, quoi. Et ça y est, là, j'ai mes deux mâles perfects. Il manque les deux femelles perfectes et j'entame les mutations. Vous avez installé Arx Mac Breeding ? Je vous ai mis le fichier d'installation ? Non, pas du tout. Ah, ok. Je vous ai mis. Quetzal 67. Je vous ai mis le fichier d'install. Donc j'ai tout enlevé, tout ce qu'il n'y avait pas besoin, tout ça. Vous avez juste à le DL, le lancer, et ça vous installe uniquement le logiciel. Genre le reste, j'ai déjà tout enlevé, tu sais, les McAfee, les merdes qui polluent ton ordi, là. Tout ça, c'est dégagé. D'accord. Okay. Donc vous installez c'est ça, cool. Et après, vous prenez mon fichier, que j'ai mis dedans également, là, le fichier de tous les dinos. Vous le mettez genre dans mes documents ou mes images, comme vous voulez, quoi. Et après, quand vous lancez le logiciel, vous faites fichier, ouvrir, et vous ouvrez ce fichier-là, et vous aurez donc toute la liste des dinos. Et en jeu, normalement, je dis bien, les pré-réglages devraient être conservés par rapport à ce que j'ai fait en export de fichier, là. Donc ça veut dire que le serveur va être sauvegardé. Et donc quand vous faites export dino, en jeu, vous faites créature, export dino, vous pouvez l'importer directement dans le jeu. Voilà, sans avoir besoin de faire de manip. Et comme ça, vous aurez accès à toutes les stats, le breeding, les machins, les trucs. Voilà. Mmh. Les possibilités, les chances d'obtenir des mutations, tout ça. Voilà. D'accord. Si, c'est un bon logiciel. Il est hyper bien. Ouais, par contre, quand tu pars de zéro, waouh, c'est dur, hein. Ah, et Ludo, vu que t'es sur live, tu nous entends. Petit tips, tu vois, regarde en haut à droite, j'ai l'imprinting. Ouais, je lui ai dit. Ah, tu lui as dit ? Ok. Mon spino 200. Donc, on n'est pas obligé. T'es pas obligé d'avoir le Tila et de le récupérer pour obtenir le bonus d'élevage et tout. C'est natif, du coup, de apparemment la nani. J'ai appris ça hier. C'est la nani. Ouais. Donc, du coup, même si moi je le fais. Et comme il est élevé par la nani, bah, t'auras quand même le bonus. Voilà. J'ai appris ça hier, c'est Ben qui m'a dit ça. J'ai regardé Horse. Tout
tout à l'heure. Non, pas Horse, Mitsu no Game. Si ça vous parle. Non. C'est un youtubeur Ark, pareil. Et mais c'est un youtubeur Ark qui aime bien genre faire les maps, mais en mode pas vanilla. Donc déjà pas de mod, mais genre des rates genre x3 quoi. x2, x3, tu vois. Donc il y a que la repro où il a augmenté le truc. Et putain, il a une... Il a un PC, genre, ses nouvelles vidéos là sur Ascended. Il a genre une 4090 et tout, il a un PC à 6000 balles ou 7000 balles de bronze. Ouais, la qualité du jeu, t'as l'impression que c'est un film, gros. Je sais pas comment il a ses programmes d'enregistrement, mais il me fait rêver, quoi. Ok. Beacon bleu, mais il est juste à côté. Ouais, ça doit pas être bien loin du beacon bleu. Il y a une base là, il va falloir. Ok, ça va être dans la baie là. Là où il y a le beacon bleu, ouais. On se rejoint dans la baie. La petite baie, et puis voilà. Juste avant le beacon bleu, quoi. Un truc de curé, ça. Ouais. Désolé. Là, là, à ta droite, celui qui vole vers le beacon bleu. Dans la baie. Hop. Attends, mais Aurel, t'étais à côté de moi ? Ah non, vous étiez là, ok. Parce que j'allais dire, putain, comment t'as réussi à avoir la base alors que moi, elle est venue que très loin ? Ah non, j'étais dessus. Je suis con, quoi. Mais... Oh, j'ai déjà deux... Oh mince. Là, c'est bon. Hop, on va cryo le terrain. Ok, c'est bon. Vous avez tous votre... Il se fait déjà attaquer, mon merdier, là ? Il se fait attaquer par quoi ? Ah, des piranhas, là. Oulala, attendez, j'ai modifié les réglages sonores du jeu, ça va plus du tout là. Hop. Hop. Vous croyez si je vous dis que j'ai pas pris mes bouteilles d'oxygène ? J'ai demandé avant qu'on parte en plus. Sérieux ? Ah, t'es parti, tu fais l'aller-retour. On t'attend. J'ai même pris des palmes. Ouais, alors, j'avoue, moi je les ai pas prises. Mais par contre, je vais mettre mon dino en neutre, parce que je veux absolument pas qu'ils soient en passif. Voilà, ça tout le monde est en neutre. Ah nice, j'ai pas moi les sifflements comme ça, je les ai pas. Oh, moi non plus. Je les ai enlevés pour éviter de faire des dingues. Quand tu restes appuyé sur terre. Ah oui, 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 effectivement. Oublie pas de prendre ta bouteille, hein, si tu descends. Ouais, je l'ai. Parce que moi, il a fait se passer une dinguerie, je t'avoue. J'ai... Regarde l'homme grenouille. Alors, les stats à peu près idéales sur le basilo, parce que toi, t'as un basilo qui est pas du tout monté, et en plus, il est pas au petit, quoi. Donc, c'est une reproduction à l'arrache. C'est d'avoir environ entre 30 et 40 000 HP, et après, le reste en dégâts. La stamina et tout, tu t'en fous, parce qu'il régène assez bien sa stamina. 30 et 40 000. Oh, tu vas te faire... Ouais. Je vais me mettre à 40. C'est quoi ça, c'est un alpha. Et après il faut quoi? De quoi? Et après les dégâts. Ouais, c'est vie et puis après tu montes. Fais voir un peu les stats qu'il a, le tien. Ah ouais putain. Ok, et là tu mets tout dans les dégâts. Le reste tu t'en fous un peu. Par contre, 52 points. Ah ouais. Attends, c'est lequel? Ah oui, celui-là il pique fort lui. 39? 39? Moi, le mien, il a quoi, là? Il a 40, 38, 40, 40, 41, 34, 43. Putain, le tien, il est bon, hein? Parce qu'il a 52 points de dégâts, 39 de vie. Le mien, il a 40 de vie, mais 42 points de dégâts. Il m'en manque 10 par rapport à vous. Et il y avait bien, tiens. Moby Dick est pas trop mal dans l'ensemble. Comment? Attends. Que... Il est vraiment bien, tiens, en fait. Ah oui? Ah oui, le tien. Ah oui, oui, 52. Ouais, tiens, vraiment bien. Oh, il est OP, hein. Ouais. Il est pas dégueu, ouais. 4-4 vie. 4-4 vie, comme vous. 40k, tu veux dire, non? 40k, ouais. 4k, ça m'aurait fait peur. C'est qu'il est rougeant, ton truc, là. C'est ça. On va aller faire une petite grotte sous-marine. Putain, il faut que je pense ce soir à activer la rediff. Je me fais engueuler tous les matins par Ludo. Ouais, Ludo.
Oui, tu mets pas la relief. 303, le meilleur dino qui peut pop chez nous en Basilo. 374 les Chila. C'est énorme, hein, mais avec tous les, nos Chila qu'on a, les stats qu'on peut obtenir, 374 sans mutation. 342 les Ptera sans mutation et 341 les Yuchi. Mais 374, ça commence à faire. Hein. Le petit, les Chila. Bon, après. Bon. Regarde comment il s'appelle le mien. Basilos Horus. Ok, bien, ouais. Basil Los Horus. Ouais, Basil bien. Los Horus. Putain, moi, dommage qu'il s'appelle Wally et qu'il est dans le truc, je l'aurais renommé moi. Je l'aurais appelé Monsieur Capli. Adriano. Ouais. Oh Adriano. Oui, bon, oh là, hey, tu te souviens de ça toi? Ah, bien sûr. Oh, ouais, je sais que tu t'en souvenais, mais je savais pas si Ben se souvenait de du nom de mon perso. C'est notre comptable. Ouais, ça. Je sais pas quoi. Allez, ça dégage. Ah, t'es prêt, je plonge. Un. Vas-y. Deux. Trois. C'était minable. Et tu sais, tu peux le faire avec sa queue quand tu te mets dans l'autre sens. Regarde-moi la queue. Hop, quand je suis haut, hop, tu sautes. Ouais, ouais. Et hop. Ah non, c'est bugué. Ah, c'est totalement bugué. C'est totalement bugué, ouais. Ah, c'est totalement bugué, ouais. Retour, hein. Une dernière, je suis niveau 98. En une journée, mec, ou deux jours, peut-être, t'as joué ce matin, peut-être, non? Moi, je cherchais une méga. Une Rhinocnata. T'as réussi à en trouver ou pas alors? Ouais, j'en ai trouvé une 185. Et t'as réussi à l'avoir? Non, il me faut un mâle. Ah, dommage. Du coup, j'ai cherché un mâle, j'ai tué une femelle. Attends, mais il y en a combien 33. Sur la map? Pour moi, il y en a deux. Ah, il y en a avec deux, ok, on est bien d'accord. C'est comme deux. Le giga, quoi. Mais là, il y en a une qui était 185. Donc, j'ai voulu la tame, mais pour avoir ça, il me fallait un mâle. Et j'ai pas de mâle. Et c'était quand que tu l'as vu, cette Rhinocnata? Ce matin? Bah, t'as jusqu'à demain matin, 6h, pour pouvoir la tame. Après, elle y sera plus. J'ai le seum, putain. Tant pis. Bah, au pire, si ce soir, j'arrive pas à trouver un mâle, je la tue, puis voilà. Oui, bien sûr. Moi, je l'ai pas, personne, là. Après, on se souviendra hein, de la réunion de Nata 194 qui était sur le serve. Hein, qu'on a croisé. Hein. Ah ouais, on se souvient du Karcha 194 qui était sur le serve. Hein, hein, qu'on aurait pu tam. Ben non, puisque on décide de force wipe les dinos le matin. Quelle invention! Incroyable! Après, c'est pas trop mal. Non, crois. C'est de la merde. C'est de la merde. Ah, vu que le serveur, si tu veux, il n'y a pas grand monde. Oui, oui, ça non, mais si, t'as raison. Oui, oui, je suis d'accord. Oui, c'est bien parce que. Du coup, il n'y a pas de changement de dino, du coup, vu que... Bah, c'est ça. T'es venu en montgolfière, par contre, ou... C'est moi? Oui. Il est venu en dirigeant. Ouais, avec... Je suis au drop bleu. Drop bleu, c'est à gauche. Drop bleu ouais. Ah oui, ah, à oui, gauche. Juste à gauche-gauche, hein, vraiment. Mmh. Ouais, voilà. Allez, on va pouvoir y aller. Juste, elle est en combien? Entrée de la grotte, 53-10. Ah. Oh, un peu plus la loutre, là. T'as d'oxygène, remarqué une loutre ou pas? Non. Non. Le seul qui donne de l'oxygène, c'est le truc que j'ai tam ce matin. Hop. Allez, 53-10, j'ai dit. Hein. Allez, on va mettre la bouteille d'oxygène, les lunettes, parce que j'aimerais bien y voir quelque chose sous l'eau. Et Bamonos. Et on va activer ça. Et on part en 53-10, donc par ici. On va prendre des tics de dégâts parce qu'il me semble que la cave est genre très profonde. Attends, j'ai dit combien? 53 53-10. Donc c'est à gauche qu'il faut qu'on aille, non? Oui, je crois. C'est à gauche, ouais, c'est ça. Et du coup, on n'est pas au bon endroit. Je sais pas où vous êtes. Hein. On part sur la gauche, Aurel. Ah bah voilà, bah c'est derrière. Non, t'es devant nous du coup. Bah continue tout droit, ah, t'es au bon endroit. Enfin, tu vas en direction du bon endroit.
T'as des archers longs, y'en a plein en bas là. Fais une gaffe à la sauvegarde, ça va. Ah oui, 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 Aurel, je l'ai vu à côté de moi, puis pouf, repartir. Quelqu'un pourrait nettoyer les plantes de l'aquarium là, c'est chiant. Tu zutotis. Tu zutotis. Oui. Même pas alpha. Bon, par contre, c'est un 194. Il est beau, hein. Bah, viens, on se le tape. Viens, 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 on se le fait. Si on a besoin de deuil de. Mais de toute façon, il faut qu'on se tape de l'alpha, hein, pour info. On aurait besoin de toi, Ben, puisque je crois qu'on a deux mâles, nous, je sais pas ce que exactement, mais en gros, on n'a pas le bonus. Oh, de... putain, y a des... C'est pas grave, ça, tu risques rien dessus. Oh, mais il me saoule le tuzo de 10 là. Voilà. Ouais, c'est clair, reste là. Ouah, tu tapes si fort! Ah, si, ça y est, on a le bonus. C'est, j'allais dire. Ah, bah oui, mais parce que Ben est arrivé du coup. Ouais, Ben est là. Je m'occupe des électro-souches, ne inquiétez pas. Les électro-souches. Ah non, c'est électro-forus. C'est comme les capros, mais... Ah oui, électro-forus. Vas-y, s'en va, continuez. Ah non, il est déjà parti, enfoiré. Oui. Je vois rien. Ah, moi non plus, je vois rien. Bah, personne voit rien. Ouais, il s'est barré loin, j'imagine, le con. Ah, il est là-bas. Oui, il est à gauche. À gauche. Il est juste là. Ouais. Il revient sur moi. Vas-y, il m'a machiné, bien joué. On l'a eu. Est-ce qu'il y a le... Est-ce que vous avez l'œil ou je sais pas quoi du tuzo? Wally qui a dû l'avoir normalement. Moi, Wally, je l'ai pas. Rien. Moi, je l'ai pas l'œil. Hein. Donc, il doit y avoir son sac qui flotte alors. Non. Vous avez pas l'œil là. Ou la tentacule. Non, j'ai rien. Persona. Bah merde. Non, j'ai rien non plus. Il est censé le drop, hein. Y'a pas de sac. Attends, y'a pas de sac. Non, y'a pas de sac. Bah, si, y'a un sac. Je le vois pas. Juste en dessous de toi. Ah, nice, bien joué. Donc là, normalement, y'a la tentacule. Il peut pas y avoir l'œil parce que je crois que c'est l'alpha, l'œil. Mais. Ouais, y'a tentacule. C'est qui a Wally? C'est moi qui a Wally. T'as pas enlevé les récoltes de ton dino? Ah bon? Ouais, t'as dû faire ça. Attends, autre option. Non, retour. Paramètres de récolte. Non, désactiver. Non, c'est bon. Non, je peux. Normalement, quand tu le manges, moi avec l'autre jour quand on l'avait fait, je l'avais récupéré direct. Hein. On a dit. Alors attendez. Elle est à gauche là, non? Elle est plus haute, ouais. Non? Non, là, en bas. À gauche, en bas. Oh, j'ai 700 d'attaque. 800 d'attaque. Ah oui, bah attends que Aurel arrive. On est derrière toi, Aurel. 100% derrière toi. Juste derrière la petite truc. Et à l'entrée de la caillou. Yes. Allez, go, Bamonos. On reste ensemble, les go. Je sais plus à quoi elle ressemble la caillou. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle est pas maritime. Après. Et pas que maritime, peut-être. Ouais. Bon, déjà, on n'a plus le bug dégueulasse. Des fonds marins. Et ça, toutes les caves. Alors je sais, hein, vous allez dire que je vous gonfle avec Ascended, mais ils ont toutes été refaites. Ouais, elles ont toutes été refaites. Genre, je trouve ça trop beau visuellement. Il y a de la perle. Oui, ou du coup à gauche, à droite. Je sais pas. Je sais plus. Je connais plus la cave, hein, donc. Un mégalodon. Oh. Mégalodon. 375. Ah mais oui, on est dans les caves. Il est amable. Tu te rends compte? Il est amable. Ça donne envie de le tam. Hein. Voilà les points qu'il a le truc. Bon, par contre, il a fait 4 secondes. Là, je vais au drop. Impressionnant. On a quoi là? Ouais, arrive, Mégalodon qui arrive. Ouais. 53. Ouais, c'est la première fois que je vois un aussi haut level comme ça là. Oh, il t'énerve, je suis. Imagine si on le tamait, je suis là. Ouais. Oh, c'est overcheat. Ouais, je suis d'accord. Il prend combien de devils, tu sais? Y'a quoi là? Y'a un mégalodon. C'est pas grave, vous risquez rien. C'est pas grave, ouais, ça ne dispense pas. Sur Zino, c'est overcheat, hein. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre celui-là. J'ai gavé le mégalodon qui m'arrivait au cul, les gars. Y'a un Moza, accessoirement, 380. Ok. Bah, on va se le taper parce que. Allez, tout sur le Moza. 388. Mec, on se met. Et franchement, vieux. Sur le Moza, sur le Moza. La cave, on se met à pied là, on le tame. Ouais, mais bon, mec. Je fais aller-retour pour chercher les kibbles. Hein. Enfin, les croquettes. Hein.
Non, mais c'est bon, on s'en bat les steaks. Attends, mais peut-être qu'on dit de la merde. Ils doivent pas être tamables dans les grottes, je crois, les dinos. Ouais, je pense pas. Ah, sauf s'ils l'ont activé. Mais ça m'étonnerait. Alors pareil, il hein, faudra récupérer la dent de Moza. On finit de clean toutes ces merguez là. Les galodons. Derrière vous. Ok. Venez sur moi, je suis en train de le faire. Alpaguer. Bon après, tu risques pas grand chose hein, très honnêtement. Ah non, j'ai pas les attaques. C'est ça. Ok, vous avez la... les trucs de... ou pas. Oh, attends, c'est... de mégalodon, j'ai... Est-ce que vous avez le Moza, le truc de Moza? Ça, non. Le truc de Moza. Non. Je vois pas. Okay. Ouais, un mégalodon 375, là. Et pourtant, il est mort là, donc il doit y avoir... combien, lui, 160? Ouais, mégalodon 375 à côté de moi. T'es où? Ouais, juste à côté de vous. Hein. Ouais, il y a un 254 à ton cul. Hein. Après, ils nous font rien en dégâts, on a des scènes mythiques de psychopathes. Ok, une manta maintenant, carrément. Super. Ok, un autre mégalodon à côté. Attendez, je vais voir si. Il y a fait une manta derrière toi. Quand Basilo il s'est barré. Ouais, je sais, mais je l'ai appelé. Ça m'inquiète pas. Tu l'as appelé? Ouais, je l'ai appelé. J'aimerais bien qu'il vienne par contre. J'arrive pas. Parce que là, j'avoue, je peux plus bouger du coup. Je suis blanc. Je sais pas pourquoi il bouge pas là. Bon, après, vas-y, je vais y aller et puis. Ouais, au fait ou pas? Le reste ne se fait pas. Par contre, j'ai pas de quoi cryo. Je suis un guignol. Ok, hein, j'ai ce qu'il faut. Allez, hop. Allez, pas faire cryo. Ouais, je veux bien que tu me donnes une cryo. Ou une Pokéball. Yeah. Hop, merci. Peut-être récupérer ce qu'ils ont. Ah bah attends, bouge pas. Ouais, ah, moi je l'ai mis sur moi. Sortir de l'autre côté. C'est possible, ouais. Ok, allez hop. C'est ça, faut les ressortir là, non? Ouais, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est quoi ça? 5 secondes avant de le ressortir. Tu veux essayer de le tam, lui? Tu pourras je pas. Teste un truc. Tu pourras pas. Je pense qu'ils sont pas tamam, mec. Vas-y, essaye. Ouais, je suis pour. Oh, ça va durer un temps, frérot. Ah, t'en as pas, toi? Moi? Non. J'ai trouvé la... le tuceau tétis, le truc. Yes, parfait. Ouais, je suis con. Ouais. Allez. Oh, ça va pas être si bon que ça. Non, ça va. Heureusement que t'es en biotoxine, hein. Parce que, putain... Même pas, c'est les fléchettes bleues rouges. Ah bon? Ah oh, ouais, ton biotoxine, ouais. Il dormirait déjà. Le taille. Bah il essaye. T'as des croquettes? C'est ce t'en as pas? Pas du tout. Ah ok. Bon, on t'aime pour rien là non? Tu vas se faire taper pour un, par l'autre là à côté. Non? Non je pense pas. On s'éloigne, faut qu'on s'éloigne. Pourquoi? Juste on plonge ailleurs et c'est, bah, elle sera attirée par nous. Et voilà. Attends je m'éloigne. Écoute, ah si, il a l'air d'être tamable. N'importe quoi. Il va faire demi-tour pour aller chercher des croquettes. Ouais, non, mais un mégalodon. On s'en servira jamais. On s'en servira jamais. Ah, il y a un jamais. Alpha, ouais. Alpha 375 au bout là-bas. Ah, ça c'est intéressant. Allez, go. Basilo, oh, go. Merde. Basilo, go. Oui. Oh putain, Wally, mon pote. Il est en mode. Allez, go. On va se taper l'alpha. Warzazet. Ah, War du coup, limite, j'ai envie de te dire le. Du coup, le Moza 300 et des patates, ça aurait été stylé quoi. Bon, maintenant, du coup. On est là pour 10 ans. Oh, 30. C'est parti. Ah non, on l'a tué. Franchement, vu comme il est bugué là, j'ai envie de sortir l'épée. Je te promets.
Ouais, mais alors s'il bouge, il te one shot, hein. Je pense, hein. Il y a moyen. 88. Bon, là maintenant, du coup, avec nos basilos, ça m'inquiète pas d'aller faire un Moza, tu sais, 201 qui a 200 000 FP. Ouais, bah, ouais, ouais. Ça m'inquiète pas du tout, quoi. Là, tu vois qu'il s'est retourné, l'enfoiré. Oh, il nous fait du petit 8 de dégâts. Mais c'est dommage. Idiot. Il nous caresse, tu sais. On le dépop à une vitesse quand même. Là, il y en a un qui tape à 700 là. C'est vrai. Oh ouais. J'aimerais bien par contre récupérer son dernier. Bah, faut pas qu'on le mange. Ouais. Attends. Vas-y. Encore. Ah, mais attends, il va se faire manger par l'autre qu'un. Ouais, bah laisse tomber. Ouais, c'est mort. Voilà. Par contre, faut récupérer son truc. Du coup, faut récupérer les sachets là. Moi, je l'ai pas. Je crois que c'est moi qui l'ai. Ouais, c'est moi qui l'ai eu. T'as la dent de. J'ai les ailerons de Megalodon Alpha. Parfait. Et on en a besoin pour le merde. Je sais pas si c'est. Ouais, je crois. Non. Tout ce qui est Alpha, c'est pour la Cavtech. On en a besoin pour la Cavtech. Ah oui, mais non, j'ai plus ma bouteille d'oxygène. Hop, hop, c'est bon. Imagine ici, mais faut qu'on vienne pêcher avec Ludo. Ah oui, oui, t'as vu tous les trucs. Et du coup, ils sont hyper haut level. Ouais, c'est là qu'il faut que tu. Ah ouais. Bah oui, du coup, ouais, c'est pas bête. C'est là qu'on faut qu'on vienne pêcher avec Ludo. Je continue les boys, hein. Du coup, on n'a pas le droit de construire dans les caves. Hein. Ah, mais on se met juste une chaise. Non, mais oui, justement. Faudra juste la ramasser après. Ouais, c'est ça, bah oui. Toujours, on va toujours m'acheter ma chaise de pêche quand même. Ah oui, c'est vrai qu'on va laisser son bateau sur place. Bien sûr. Oh, il tabasse, Aurel. Oh, Aurel, t'as pas envie de tomber contre lui. J'avoue, il est pas mal. Hein. Et encore, c'est un petit bébé, hein. J'en ai pris un à l'arrache, tu vois, franchement, bien. Il vient de prendre 7 niveaux. Alors, je suis passé level 100 à 100, Chibi. Ok, bon, bah, en plus, c'est tout cassé. Plus va, plus ça me déprime, ce serveur. Oh non, moi, j'avais. Ah oui, oui, oui. Tu veux continuer à. Mais il me semble que de base, c'est 105, hein. Mais non, c'est que ils ont, c'est je crois que les règles ont été changées. Non, je crois que les règles ont été changées. Mais de arc de bas, je crois que c'était changé. Oh, tous les mégalodons qui arrivent. Ouais. Là, c'est un contre abonné là, ça l'a pas game ce truc là. Là, where? Oh là 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 là. Il y a du verre partout. Oh, il s'est passé quoi, je vois plus rien. Bah, juste, t'es juste en train d'anéantir tout ce qui se passe, toi. Ah, ouais, c'est rien, ça. Miam, 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 miam. Allez, venez, venez, venez. Qu'est-ce que c'est bien le basilo. Ouais, basilo, ouais. Oh, il y a un Moza, je le vois. Yeah. Moza, combien? Le tam, quoi. 67. Oh, pas le tam. Il y a l'artefact dans l'eau. On va tuer le Moza avant, hein. Ça vous dérange pas? Il y a l'artefact. Oh, tous les poissons. Bougez pas, bougez pas. Parce qu'il y a tous les saumons qui arrivent. Voilà. Oh les saumons, t'as vu? Niveau 400. Oh là 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 là. Ah ouais, non, mais je t'ai dit, faut qu'on vienne pêcher ici avec Ludo. Il y a les méduses, bougez pas. Les méduses, ça va être insane. On va les croquer. Comme ça, on va pouvoir aller chercher l'artefact tranquillou, pilou. Je suis sûr que ce fumier de lapin, il va y aller avant moi, mais. Bah oui, si tu vois la revue de stream, il va y aller direct. Ok. Ouais. Ouais. Je vais sortir. Il est où? Il est là au milieu du lagon, dans l'eau, au milieu. Tu veux le dépalme, moi. Non, c'est juste que je voudrais aller voir si on peut avoir. Comment ça s'appelle? Les notes. Les notes et tout, normalement il y a des notes. Les notes. Mais faut sortir. Ouais, faut sortir. Hop. Sortir. Il doit y avoir des notes et tout. Sors, Yann, parce que tu sais, il va pas respawn si on est devant. Oh, pardon. Ah, il y a des notes, je les vois. C'est bon. Ok. Bah, vous vous mettez là sur le bord, vous laissez vos basilos et vous venez. Ça, on va aller chercher les notes en attendant. Récupère ce que je veux dans mon basilo. Moi, j'ai pas. Non, mais j'ai laissé le basilo, hein, moi. Parce qu'on va. Ouais, mais je sais pas si ça respawn s'il y a le basilo. Moi aussi, je pense.
good. De toute façon, ils sont en neutre. Ok. Nouvelle épreuve. L'épreuve. Je suis tout au bout du petit chemin qui monte. Oh, Ben, il passe à côté de moi, j'ai un courant d'air. Et là. Encore, hop. C'était pas mal. Hey. Ah, on est trop loin là. Je peux pas grappin. Je peux pas. On va devoir faire en deux fois. Tour. On fait le tour. Bah non, on fait le tour par l'autre côté, regarde. Oh, on fait le tour, moi. Moi, je fais le tour. Hein. Je suis à la note. Parce qu'on aime le grappin ici, messieurs. Oh, Tuzototis. Ah, la Tuzo, oui. Ouais, note du Tuzo. Y'en a un, là. Comment ça? Ah, non, c'est la note du Tuzo, ouais. Ouais, ouais, c'est oh. Là où je suis. Joli, ce petit lagon. Attends, comment t'es arrivé? Ah non, mais toi, tu cours, toi, non? Ah, je cours, oui. Ah ouais? Parce que je vois, non, mais comment... Je vois Aurélie qui est encore au niveau des basilots, et toi, je te vois ici. Je fais what the fuck. Je vous courrez pas la même vitesse, non, hein, ça c'est clair. Je suis arrêté pour un casse-croûte. Ah, puis ouais, bah, et puis ouais, je pense que vous courrez pas la même vitesse, hein, parce que là. Non, pas du tout. Vas-y, je sais pas trop où elle m'emmène ça. Ah, tu m'as foutu mal au crâne le truc. J'ai arrêté. What the fuck? Ah, c'est sur l'autre partie là. C'est là où on était tout à l'heure. Bah attends, tu vas me dire qu'on peut aller partout. Ah non, on est keblo. Ok. On est keblo de quoi? Une note en plus au bout là. Tu la vois? Ouais, ouais, je suis dessus même. Ah, je l'avais pas vu elle. Mais ouais, je. Du coup, c'est quoi? Une note d'explorer? J'ai pas fini de courir, moi, c'est tout. Ah, c'est la note de Nerva. C'est continue la en bas. Continue à descendre là, dans la caverne là. À droite. Quand... Ouais. C'est bon. Et tu continue et voilà. Oh, il est quand même beau le jeu. Voilà. Et là, il y a une amphore. De Hercule, de Nerva, pardon, c'est une amphore de Nerva. C'est good ? Vas-y, mémé. Allez, ouais, vas-y, mémé, ouais. Hop. Il y a que ça pareil, faut le voir là. Il y en a pas dans le en sous-marin ? Non, je crois. Alors, si, il y en a peut-être, mec, mais faut se taper toute la cave. Hein. Bon, bah, on va se la taper, hein. Mais... Et il est où le beacon ? Enfin, le... L'artefact ? Ouais. Bah, il est au milieu du lagon, dans l'eau, tout en bas. C'est là où tu l'as récupéré tout à l'heure ? Ah, moi, je l'ai pas pris encore. Mais moi je l'ai pris, ouais. Et il est là? Oui, il est. Ah, ouais, il est revenu. Il y a un basilot en plein milieu là. Ah, bah voilà, parfait. Alors, frérot, ça va faire. Je crois qu'on peut faire un. Observe bien ce qui va se passer là. Et plouf! Hop! Hop! Il est où? Je le vois même pas là. Basilo. Ah, il est là. Mon basilo. Et Wally qui est au milieu de la piste. Hop! Hop, allez, on prend l'artefact. Oh, un plomb, mais... Merde. Il y a Wally, ouais. Wally, je sais pas où il est. Ah, il est là. Je crois que j'ai fait une bêtise. Ah, je peux plus. J'ai jeté ton terrain, ce coup. J'ai jeté mon terrain au lieu du... Et le terrain, il est dans l'eau? Non, il est dans l'eau. Attends, je le récupère. Ah, tu peux? Ah, si, merde. Attends, mais il peut voler dans la cave? Bah oui, oui. Ah ouais, mais oui, enfin, tu sais, enfin, je t'apprends oui, pas oui, que oui, de base oui. Tu peux pas quoi. De base, oui, oui, je sais. Donc en plus de ça, ils ont activé ça. Super. Ok. Allez, bah écoutez. Tu peux pas monter dessus. Ah donc tu peux pas monter dessus, ok. Ah oui, donc non, bah c'est bon. Ils ont pas activé les volants. Juste, voilà. On peut le récupérer si tu veux. Bah vas-y, parce que. Il m'a fait tomber. J'ai raté mon plongeon à cause de lui. On va améliorer les gamins un peu de cette cam. Merde. Il est où mon basilon? Donc tu ne l'as pas pris? Si, mais il est de l'autre côté là-bas. Me demande pas pourquoi il est de l'autre côté. Ah oui, il est tout là. Ah, mais parce qu'il doit être en follow sur toi et comme t'as été de l'autre côté. Il est loin. Hein. Il est en follow? T'as des palmes? Viens. Ouais, ouais, j'ai des palmes. Ouais, il est là. Des palmes d'or, même. Tu risques rien, y a pas de dino HL. Et ouais, il y a des notes et tout partout là. Mais on fera une run note, parce que sinon ça va être chiant. On fera une run note, un de ces quatre. Pour récupérer. Non, il est pas en follow. Non, non, mais il est là. Non, il a dû se battre. Il a eu envie. Il a perdu là. Bon alors, Moudidi. Bon alors, Basile. Ok. Mégalodon, 388. Toujours, ça fait plaisir. Et l'autre, il est toujours en train de se faire taper d'ailleurs. Normalement, oui. En train de faire dodo. Je pense que même si on le time comme ça, ça doit le faire.
Oh, la quantité de perles noires que je récupère. J'ai pas de viande sup. J'ai pas de viande supérieure sur moi. Non, mais si on a pas de kibble, c'est mort. J'ai viande supérieure, poisson supérieur. Ouais, franchement. Oh, l'écran. Ça va, Aurel, ton écran? Il vaut plus rien. Vas-y, à droite. Mais il dort. Ah bah merde. Croque le pain. Ah bah trop tard. Mais non. Si, sans le vouloir, je l'ai croqué, mec. Je te jure, c'est vrai. Je vais te dire. Non, je crois pas. Ah non. Non, non, il est toujours à 100%. Ah bah, laisse-le. Genre, tu vas revenir le tam. Franchement, oui. Oh, oh mégalodon 402, là. Il est 402, celui-là. Hein. Peu, hein. Bon, oh, vas-y, flemme, vas-y. On va revenir là pour tamer un mégalodon. Mais bon, ça faisait plaisir, un petit 402. Vas-y, je vais chercher. Au pire, on reviendra. De toute façon, on reviendra avec Ludo pour. Mais oui, tu comme et quand tu reviens, t'emmènes ce qu'il faut. Parce qu'on avait la femelle max level. Mort de rire. Je viens de récupérer un BP de celle de Basilo mythique 292. Bah, c'est pas mal, mais maintenant qu'avec ta popo, on peut les faire, ça nous sert à rien en fait. Bah, si, ça coûtera peut-être moins cher. Ouais, ça coûte peut-être moins cher. Pense aux ressources. Économie d'énergie. Perdre le toxine biologique. Oh, les saumons, ils sont agacés quand même. Oui, je les ai peut-être croqués. Non, c'est à droite. Ah non, on est au bout là. Ah non, c'est pas par là. Mais il y a droite. Non, non, mais là, y a pas de chemin, là, là où je suis. Bah, y'a un chemin, là, aussi. Mais on vient de là, non? Ah, non, ah, non, on vient pas de là. Là, c'est à gauche. Vous les avez tous les deux, les artefacts? Moi, j'en ai un. Moi, j'en ai aussi. Ok. Oh, ça, c'est toujours autant de cheaté sur Ark. Je peux manger quand tu es sous l'eau, tu sais. Bah, c'est salé, mais ça passe. Ah, tu m'étonnes. Oh, ok. Marche long. 174. Moi, bon, pour le coup, faudrait un 201 là. Oui, on regarde si on fait une autre cave sous-marine. À côté, si vous voulez, il y a un. Il y en a d'autres des caves marines. Je sais plus. Bon, moi, je crois pas, mais. Tu crois? Je sais où il y en a, mais c'est pas des caves. Je me comprends. Ah non, ça, celle-là, elle est là. Il y en a pas beaucoup des Doncléo. Il y en a là, Doncléo Steus. 26. Ah, il en reste une autre, ouais. Elle est à l'opposé de nous. Ah. Et à l'opposé. On monte, on prend les ptés et puis voilà. Ouais. Bah, tant qu'on est équipé, ouais. Hein. Vas-y, qu'on remonte à la verticale. Elle est à l'opposé de nous. C'est la cave de l'artefact de la ruse. On n'oublie pas que quoi qu'il arrive, faudra au moins refaire une fois les caves pour avoir trois artefacts. Bah, faudra les faire avec Ludo. Ouais. Vas-y, et le brochet là, ça va là. Et bah, gars, son brochet là. Oh, donc Cléo, il a pas rigolé avec Aurel, mon pote. Aurel, il met des pralines, mon gars. Tac. Pas mal. Tac, tac. Attends, je récupère des trucs qui sont dessus quand ouais, même. Ouais, moi aussi, je vais faire pareil. Je récupère quoi? De la perle noire. Le reste, je m'en fous, je t'avoue. Bon. La bile d'ammonite, j'en ai rien à cirer. Ça, j'en ai rien à cirer. Je garde juste les perles noires. Bile d'ammonite, on s'en fout? Ouais, moi, je le garde pas. Tu l'as pas? On en a pas besoin? Ça sert pas de combustible. Ah, ça par contre, je sais pas. Et là, on va aller à l'opposé. Donc, on va aller coordonnées 45-88. Comme ça. 45-88. On va là-bas. C'est parti. On va à l'opposé de la map.
45, 88. Ah bah oui. Oh, on a l'eau. Okay. On a l'eau posée. Vous la voyez la lune en face de vous ou pas? La lune en face de nous? Bah dans le ciel, la lune, vous la voyez ou pas? Non. Non, vous la voyez pas? Et comment ça se fait? Non, non. Et Stifler, tu la vois sur mon stream? Ah oui. Tu vois, il y a la lune. Ouais. Ah oui? Ouais, ouais, j'ai la lune. Ouais. Bah moi, j'ai pas la lune. Il parle pas marrer des fesses, hein. Bah c'est pour ça que... Attends, je vais regarder à droite vite fait. Oh non, je verrai après. Tu vois la reine Nominata. En rasbotte. Vous êtes en bas, vous? Moi, je suis en bas, ouais. Moi, je suis en bas en altitude, moi. Qu'est-ce que j'ai hâte qu'on monte là-haut, là, au volcan, à la Cavtech. J'ai hâte. Ouais, j'ai trop de luminosité, là. Encore les gamins? Non, j'ai vérifié, mais... Je sais pas pourquoi. Tu sais comment ça me l'a fait tout à l'heure? Moi, je vais me poser là au niveau de la rivière du Redwood. Ça fait un petit décroché, il y a un beacon jaune. Je vais me poser côté, pas côté Redwood, mais de l'autre côté. Pour récupérer ma stam. Voilà, je vous le dis. Voilà, par exemple, tu vois, au milieu de rien, je suis à 95 FPS là. Au milieu de rien. 110, 120 même là. Ah ouais, bien. Super. Oh putain, Microraptor. Oh là là, super. Oh Ben, on est dans la merde. Payé, problème résolu. C'est bon, c'est géré, voilà. C'est bon. Hop. On va repartir. C'est bon? Moi, je suis prêt à repartir, j'ai la stam et tout. Parce qu'en vrai, Ben, il est déjà là-bas, lui, avec son terra cheaté, là. Non. Bientôt. T'es en combien? Là, je suis en 47,50. On est en 45,88? 45,88, ouais. J'y suis, il va me dire. Non, il était à gauche, en haut. Mais en fait, c'est pas loin de la base en fait, cette map, cette cap sous marine. Juste à côté. Ouais. Enfin, alors... S'il y a les mêmes poissons, on pourrait peut-être y aller. Oui, ça sera peut-être plus simple. Comment ça se tame là, les Serra. Les. Ouais. Ceratosaurus là, le Speedy Gonzales? Ouais. Aucune idée. C'est pas moi qui ai tamé donc. Il est d'hier, Yaya. T'abuses? Bah oui, c'est lui qu'il faut mettre le HTP. Oui, non. Tu prends un phéromone sur toi, tu donnes un dino à manger, tu vas avoir un truc violet qui va monter, et quand c'est à 100%, il va faire, il va se mettre au garde à vous. Et puis bah tu le dames. Ok. Ah, faudra qu'on en fasse un. Et des croquettes dans ton dernier slot d'inventaire. C'est bidon à faire, hein. Dès qu'on a le stégosaur, tu montes full HP, on s'en fout du reste. Là, le stégo. Oui. Pourquoi le stégo? C'est quoi l'intérêt du stégo? Parce que il est beaucoup d'HP. Ok. Tu peux le mettre en barrière, enfin en barrière, en protection. De toute façon, ce qu'ils prennent pas de dégâts. Ok. Lui met une bonne selle et puis normalement. Ouais, il a une selle mythique là. Bah voilà. Ouais, je sais que il fallait ça, c'est pour ça que j'en ai ta main. Mais je savais plus pourquoi. Là, dès qu'on trouve un 201. On tape tout ce qu'il y a à côté, et puis bon, on le tame. Ok. Je suis sur la plage à côté de la base, qui est en 45. Non, je suis dans la base. Dans la base, je suis dans la base. Ok. Tu vas aller récupérer des croquettes au cas où on tombe sur un mégalodon. Non, non, mais il est dans une base ennemie. Enfin, pas ennemie, mais genre qui est pas là. Ah oui. Quoi.
Par contre, c'est pas une mauvaise idée, ça. C'est joli. Non, tu vas pas t'ameler dedans. Allez. Non, mais dans la cave. C'est reparti. Oh non. Le... Bah vas-y. Hein. On est à côté. Non. Vas-y, on sait jamais. T'avais chargé tout à l'heure, t'es bien fait un aller-retour pour rien. Bah non, pas pour rien. Bah non, tiens. Allez, 45-88, c'est parti. J'ai oublié mes bouteilles de plongée. Ah mais c'était pas pour rien du coup, t'étais pour récupérer vos bouteilles. D'ailleurs, vous les avez mis, vos bouteilles de plongée? Non. Bien vu. Bien sûr. C'est bon, je les ai. Et messieurs, on est parti. 45-88, c'est un peu sur notre droite. Et 88, c'est vraiment à la verticale. Donc là, ça doit descendre fort. Hein, hein, ça descend fort, hein, je te confirme. L'entrée de la cave doit être par là, je pense, non? Là où il y a les bulles. Où il y a les bulles? Il y a toujours des bulles au-dessus de la cave. Ah ouais? Toujours. Ok. Moi, je... C'est encore plus bas. Ouais, c'est au niveau des roseaux à droite, tu dirais. Ouais, j'y suis là. Ah oui, putain, je suis descendu tellement bas pour rien. Ah oui, elle est vraiment au pied de la base, en bas quoi. Oui, c'est ça, en bas de la base. Mais c'est vraiment au pied-pied quoi. Ah, le mec qui est là, oui, il est Gucci. Ah oui. Ouais, on a été tellement loin pour rien. Ah oui, ouais. Alors que c'était au pied quoi. Allez, go! Vivement qu'on passe en mode cave là et qu'on ait plus l'affichage dégueulasse du fond marin. Merci. Je sais pas si c'est PS, tu vois. Ouais, je ouais, 80, 100, ça varie moi. 82 là par exemple, tu vois. 375 de je crois que celle-là est plus dure. Ouais, 375 donc. Mais je crois que cette cave est plus dure que l'autre, je crois, en termes de niveau de difficulté. Oh, il est magnifique. Ouais, il y a un petit 8K HP. Oh, ben, ouais. Ouais, ouais, bah t'inquiète, on le touche pas, on dégomme tout, et je le tape. Restez, restez là, bougez pas. Tellement de merguez là qui arrive là, la Cnidaria aussi. On en parle du beau droit abyssal niveau 402 là à côté de nous là. Okay. Ça, ça stam, tu vois. Ça, oui. Ça, ça stam là. Beau droit abyssal 402, mec. J'avoue. Ça, 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 ça fait plaisir, tu vois. Faut pas attaquer par mon KO. Ah ouais, mais. Quoi? Oui, ouais. Mais. Mais. C'est pas qu'on est. Je pensais qu'il y avait un rebord, tu vois, quelque part. Mais non, tu peux pas. T'es obligé de le faire au harpon. Ah oui, c'est plus la même histoire. Hein. Oh. Ouais, on va peut-être pas tout attaquer. Hein, parce que... Oh, je continue, je trace. Ouais. Oh non, on va peut-être pas tout attaquer. Bah, Aurel, va peut-être falloir là. Aurel, arrête-toi. J'arrive. Il y a un mégalodon alpha à ton cul. Là, on se pack, les gars. Sur Eric. Ah, là, on bouge pas. Il y a un mégalodon alpha et tout là. Oh. Heureusement, on a des scènes mythiques là, hein, je vous le dis. Hein, parce que. Oh le mon pote. Ouais, on prend quand même des 100 de dégâts, hein, tellement il y a des dinos là. Hein. Vous vous rendez compte du pack de dinos là? Ouais, ouais, ça va. Au niveau de la vie, ça va pas trop. Alors, heureusement qu'on a 40k HP, je vous le dis. Hein. Oh, mon dieu, la vie elle descend quand même. Hein. On est large, mais la vie descend quoi. Vous arrêtez pas de cliquer. Hein. Même le dino, même s'il est fatigué, vous continuez à taper, je vous le dis. Non, bon, ça va, j'ai repris de la star. Parce que là, il y a un énorme mégalodon alpha qu'on n'arrive pas à tomber, quoi. Là, il est juste en dessus, il est en train de te taper, toi. Hein. Il va bientôt décéder. Ouais, ok, ok, ça c'est une bonne chose. C'est bon, j'ai eu les drones. Il y a une grande à faire. Ah, bougez pas. Fait qu'on soit paqué comme ça, c'est bien. Ah ouais, j'ai perdu 10 000 HP dans le fight là. Oh, putain, attends, je reviens. Attends, je vais me paquer à Ben. Hop, voilà. C'était chaud, hein. Et là, très honnêtement, si t'as pas une selle mythique et tout comme nous, c'est chaud patate, hein.
Bon, maintenant. À qui le tour? Ah ouais, là c'était quelque chose hein, quand même. Hein. Ouais, on continue. Et du coup, j'ai perdu combien d'HP? Ouais, j'ai perdu 8000 HP, allez. Pour j'ai pas perdu être... 2000. Je sais pas combien j'ai perdu. Je sais pas où faut aller là. Je la connais. Attends, pas du tout. On va faire un Dankleosteus. Faites gaffe parce que quand t'en attaques un, t'as tous les Dunkleo qui arrivent. Hein. Ouais, mais là, je l'ai pas. Il doit être coincé quelque part. Là. Allez. Et on s'en tape un autre maintenant. C'est pas grave. De toute façon, vu ce qu'on vient de faire. Ah bah, y'a un mégalodon derrière nous maintenant. C'est pas grave, ça nous fait XP. Hein. Je suis déjà la moitié de mon level, moi. Non, mais je parle des dinos. Ok, on va tenter d'aller par là. Je connais pas la cave en fait, donc je vous avoue. Elle m'a l'air énorme la cave. Vas-y, oh là 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 là. Pouvez-vous pack vers moi, s'il vous plaît? Attends, je suis un peu dans la sauce. Bon bah nous aussi, avec Ben là, je t'avoue. Ah, comme ça on a le bonus. Parce que là il y a la moitié de la cave qui arrive encore. Putain la vache. Alors plus il y a des Dunkleo, plus c'est dur. Oh la 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 la. Là il y a l'univers qui s'approche de nous. Je vois les mêmes. Je vais pêcher dans l'autre cave. Ouais, oui, je veux que je te croie. De quoi? Il a dit j'irai pêcher dans l'autre cave. Il ira pêcher dans l'autre cave. Tu m'étonnes. On n'a pas toujours le bonus. Allez, c'est bon. Mon dino focus. Putain, des dents de mégalodon, j'en ai 44. J'en ai 76. J'en ai. Vous voulez savoir combien j'en ai? Vas-y, que je rigole. J'en ai 144. Oh, l'insolence des trucs. L'insolence des types, quoi. Eh bien, dans ce cas, ça aurait. 144. Attends, c'est que je suis trop. Je fais trop de trucs. Je sais pas où je vais là. Je sais pas s'il y a un truc par là. Ah, mince. Ah oui, ils sont barrés. Oh, on est derrière les copains. Mais. Y'a un volcan là? Ouais, y'a un volcan là. Enfin, y'a de la lave volcanique. Oui. Ah, là y'a une note. On va descendre, mais. Non. Est-ce que non. Tu peux la prendre avec ton dino là? Attends. Non, c'est bon, je l'ai pas ça. Je suis derrière et du coup je l'ai pas. Attends, je me casse. Je suis derrière, je l'ai pas non plus. Ouais. Vas-y, vas-y. Putain, on est bloqué ensemble. Bah. Voilà, c'est bon. On met 12. Hop. Oh là là. À quand c'est ramené vrai par contre? Ouais. On va faire la tortue. Ok, c'est bon, je l'ai. Oh la vache. Attends, je m'en vais. Hein. Deux secondes. Mais là, j'ai la tête sous map. Voilà. Non, c'est qu'il faut que j'arrive à faire comme t'as fait. Le tétard. Le tétard, tu l'as eu? Non. Ok, vas-y. Oh non. T'es reparti pour un tour, mon tutoriel. Allez, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ah, ça, là, même si on tape les dinos, ils vont prendre trop de level. Oh, moi, le dino, il a pas pris le truc. Ah, ok. Oh non, bon. Les mégalodons! Faut galérer. Moi, ouais, je travaille. C'est grave. J'ai un bonus. Ça arrive. T'es en train de bouffer ou quoi? Ouais. Appétit. Un Kinder Maxi. Ah, voilà. Chacun son gras. Je sais pas si là faut pas qu'on sorte. Ouais, mais c'est joli. Oh, je pense. C'est super.
super joli avec le volcan. Ah oui, ah oui, ils font qu'on sorte là, je crois. Il y a des onyx. Oh, il y a des onyx. Oh là 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 là. J'ai pas pris d'antidote. Moi non plus. Non plus. Oh, ça va être horrible. Allez. Ben, on reste en paquet et puis on poule. Ah, vous l'avez cryo ? Ouais, pas bête, je vais cryo si vous voulez. Il a rien. Il y a des dents. Je garde le reste, je m'en fous. Allez. Peupon. C'est ah. Deux erreurs de long au pire. Ah, bien vu. Pas con. Attends, faut que je remette, faut que j'enlève ma combarde. Ah merde, c'était ouais. Celle que je visais. Mmh. Ouais. Non, on a dû prendre des gâteaux aussi. Pour faire les. Les achatines. Les achatines. Oh là 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 là. Oh le chantier là, attendez. Taper l'onyx qui est tout au bout. On fait un tir simultané, mon petit Ben. Sur l'onyx ouais. Tout au bout. Tu me dis et. Je fais un décompte. I'm good. 3, 2, 1, go. Ah, bah, j'ai pas réussi. Je suis nul. C'est un échec. Oh là là, mais il y en a partout en fait là. Ça arrive de partout là. Oublie. Ouais, ok, j'ai compris. Fusée à pompe. Ok, on a attiré la foudre, je vous le dis. Puisque. Bon, après les achatinas, ça me dérange pas. Bousillé. Oui, après, même. Bousillé. Pourquoi les bousillés sont agressifs? Parce qu'on en a tiré sur un. Oh mais mec. Oh pardon. Qu'est-ce que. Oh mais mec. Qu'est-ce que. Oh là 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 là. Qui c'est qui a fait ça? C'est moi. Je suis désolé. Attends, les onyx en premier. Et je recharge. Les onyx en premier. Voilà. Oh. Je reload. Ah l'épée il va y aller, regarde-le. Oh le boucher. Ah ouais, enfin. Ah, encore. Oh, la vache. Oh, Onyx là, à gauche. En même temps. 1, 2, 3. Ah bah oui. Bon. Non mais. Tu vas être infecté. Ouais, évite de te faire infecter, genre parce qu'on le tape comme ça. 1, 2, 3. Il y en a d'autres là-bas dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? Bah si t'es capable de les moucher de là, vas-y, mais. J'ai pas ma. Ils vont venir quoi. C'est ça le problème. Ouais, on aura le temps de les moucher. Vas-y. Okay. Ah bah oui, ça c'est par contre ça. Oh, c'est un escadron de la mort qui arrive. Mais tu t'es cru dans Star Wars, Oren, ou quoi? Il y a 18 000 Onyx. Oh, l'escadron. Le tir au pigeon, surtout. Ouais, ça reste pas faux. C'est génial. Ouais, je l'ai. Attends, je recharge. Moi aussi. Ah, moi aussi. C'est qu'à un moment donné, il m'aura. Oh merde, on a tiré sur le même. T'inquiète, il y en a d'autres. Ah, j'en ai un. Ah, j'ai plus de balles. Il a repris sa vie. Oh non, faut pas que t'aies la maladie. Bien joué. Allez, on avance. On avance. On va aller vite fait à droite. Je voudrais comprendre pourquoi il y a une, genre, une sorte d'allée. Pourquoi j'entends un dino énorme là? Et y a... Ah, mais ça doit mais être oui, au-dessus. On est où? Ah oui, on est au milieu de la map. Donc c'est pour ça que genre. On un entend. Dino énorme. Bah ouais, j'entends genre un Rex crier. Mais c'est pas logique parce que techniquement y'a pas de Rex là. Techniquement. Attends. L'onyx là, je peux le gérer. Non, mais à chaque fois je me loupe. Oh bah moi aussi. Je recharge. Ouais, je vais aller au fusil à pompe là. Araneo. 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 Il va là. Oh non, je crois que j'ai attiré les. Bougies. Non. Ouais. Oh les bougies par contre. Ouais, ils sont agacés les bougies. Ah, là il y a une note. Dans l'os du caca. Il y a une note les potes là. Ici, en haut. Note d'explorer. G-boy. Elena. La numéro 9. Ah. De chez d'Elena. Oh, il y a tous les bougies qui arrivent là. Et tous les caca là mon gars. Enfin tous les. Mais imagine-toi la bave d'Achadina qu'on pourrait avoir là, avec tout ça là. Là, là, avec les 254 et tout ça là, 300 et quelques. Ok.
qui va revenir avec des gâteaux. Piti, piti, piti. Prochaine run, full certain. Il va revenir, gros. Regarde le nombre de Shadina qu'il y a, gros. Ok, il y a des Onyx. Je vais prendre des bougies et tout. Oh là là, mais je suis nul au longbo. Oh là là là. Longbo, toujours longbo. Je suis éclaté au sol. Hein. Ah, loupé. On m'a fait peur. Stoppé. Oh non, tous les bousillés. Oh la loose. Ouais, Eric. Oh non, il y en a 18 000. Je pense que ça peut être dangereux. Non, ils nous font pas de dégâts avec l'armure qu'on non, a. Non, mais. Vas-y, on va aller à gauche. Y'a quoi là? Allez, lâche-moi toi. Y'a rien. Oh, y'a des Onyx là. Oh. Ok. Oh putain. Reculez. Non, je suis infecté. Vous approchez pas de moi. Je suis même brouté là. Oh non. On a un autre qui est infecté là, non? Y'a que moi? Non, ouais, non, toi, ok, y'a que moi. Bah, restez loin de moi. On va attendre. Pourquoi ils sortent tous les achatinos? J'ai dû tirer dessus. J'ai dû tirer. Y'en a un qui a pris un plan perdu. Ouais, j'avoue. Mais non, tu regardes, ils me fuient tous. Ouais. Putain, achatina 308, mec. Ouais, non, c'est abusé. Mais en fait, c'est ta map dans les grottes, c'est abusé en fait. C'est là qu'il faut qu'on... Mais les Achatina, ça a toujours été ta map dans les grottes. Achatina, bougier. Ah, mais les autres, d'habitude, c'est pas ta map. Normalement, ouais. Ah oui, ok. Ah oui, c'est vraiment des règles cheloues. C'est pas désagréable en soi, mais ça fait bizarre. Hein. Déjà, quand tu vois que les dinos max, c'est 201, alors que de base, c'est 150. Déjà, rien que ça, ça te... Non, 180 de base. Non, 150 de base. Non, j'ai encore eu la confirmation. Je regardais tout à l'heure des trucs pour... 201, c'est ça? Non, les dinos de base, la difficulté, les niveaux max, c'est 150. C'est ce qu'on était en train de dire. Attends, faut que je remette des gamins. Faut qu'il passe à côté de nuit avec 10 secondes de... Ah là, il y a une note encore? Yes, nice. Mais Non, j'y vois rien. Y'a un truc que j'ai pas compris là. Oh putain. Tombe pas Ben, mais y'a un truc que j'ai pas dû comprendre là. C'est à droite où, là, y'a de la lumière à droite. C'est de la lumière. C'est où le reste là? Ah y a un... Ah oui, mais ben, non. C'est un papillon. Non, mais en bas y'a de la lumière. Y'a un loot. Arcapouli, bébé. On n'est pas venu là pour rien quand même. Attends, mais on est con quoi. On peut pas monter nulle part là. Y'a pas d'intérêt de venir là. Continuer, hein. Mais tu veux aller où? Dans l'eau? Bah dans l'eau. Bah bah tiens, allez, c'est parti. Vas-y, j'y vais, je te suis. Hein. Bah prenez peut-être vos... vos trucs de plongée. Ouais. C'est vrai ouais, je suis déjà dans mon basilon, mais... Je cherchais l'arc à poulie, là. Mais y a un truc, j'ai pas compris pourquoi ça nous a fait passer là, et... J'ai pas trop compris, je t'avoue. Encore une armure de diplodocus quoi. Sans déconner. Hein. Ah mais là il y a une faille. Venez on descend dans le trou. Je sais pas si c'est là. Non? C'est stylé par contre. Le petit trou là? Tout, ouais. C'est pas là? Ah ouais, il y a un trou. Ah ouais, petit truc là. C'est là? Ça me paraît bizarre. Là. Oh là! Wow. Ok. Alors allez, c'est là parce qu'il est là. On prend des dégâts, mais. Ouais. Venez avec moi là, rentrez dans le trou là, et mais bougez pas. Mais... On est avec toi. Ouais, ouais. Ouais, oui, oui, oui. C'est pour ça, ne bougez pas. Il s'est passé quelque chose. Je pense qu'on y est. Ouais, ouais. Mais l'artefact, on est au-dessus de lui là. Mais il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire qu'effectivement, ça peut-être poule toute la caverne là. Oh là 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 là. Mais il y a un coincé. Ça fait plaisir quand je vois des 700 de dégâts d'Aurel là. Je veux dire que ça fait plaisir. Hein.
ouais, ça. Lui, ça arrive encore. Mais il y a de la vie, tu vois. Oh, mais le Dunk Léo là, en dessous là. Ouais, ouais, il est énervé. 388. Il y en a encore qui arrivent. Le Dunk Léo, il est passif tant que t'as pas de. Ouais. Encore, encore, bougez pas, bougez pas. Il y en a un autre qui arrive. Ouais. Attendez, je vais chercher l'artefact là qui m'arrache les yeux. Bah, dépêche parce qu'il y a du monde. Mais je le vois pas en plus. Tellement il m'arrache les yeux. Putain. Pas d'artefact. Mais si, il y a un artefact là. Il est bleu. Et je le vois pas. Non ? Il y a pas d'artefact. Non, pour moi il y a rien. Remonte, remonte, remonte. Il y a rien, c'est un cristal. Ok. Là, pour moi il était là. Je pense, hein. Pour moi il était là. Non, c'est un cristal, il y a pas de. Ok. Il y a c'est reparti. Ah oui, on redescend encore. Hein. Mais loin là, déjà. Ah là il est là, ok. Ouais. Ouais, ok, là je le vois. Alors attendez. Hop. C'est peut-être pas une bonne idée d'y aller tout de suite. Hein. Ouais, normalement, ça... ouais, j'en ai un. On va s'occuper de nettoyer tout ça en même temps là. J'attire tout là, hop. Ça... Voilà. Ok, il reste le Dunk Léo qui est là. Non mais lui il dit rien. Il dit rien le Dunk Léo, tu t'attaques pas. Ouais bah il est mort allez. Ichnidaria, encore un mégalodon. Lui t'es dans le mur le mégalodon. Non non il est arrivé du petit trou. Les beaux droits abyssal. Il y en a un dans le mur. Hein. Oui je le vois pas là-bas. Là, il y en a un là. Ah oui. On s'écarte pour qu'il repop le. C'est bon, ça fait que j'ai pris. Ah, tu l'as déjà pris ? On l'a déjà pris ? Il n'y a pas de note là, hein. On est d'accord ? Non. C'est pour qu'on regarde s'il revient pas ? Ouais, mais si, il va revenir, mais faut vraiment attendre pour le coup. Et donc, bon, tant qu'à faire, autant le faire avec Ludo. Quoi. 402. Ouais, ça fait. Oh non, pas encore. De quoi ? Ah là, on se casse là ? Vas-y. Ouais. Ah, don de mégalodon alpha. Gaffe. On va remonter à la verticale. Sortir de ce petit truc là. Hop. Vas-y, viens. Attends, faut la prendre la don de mégalodon. Tu l'as prise ? Mais je l'ai. Ok, bon, let's go. Let's go, let's go. Vous avez les ailerons ? Ouais, vous les avez ? Parce que normalement on a tué un mégalodon donc il doit y avoir les ailerons de mégalodon. C'est une dent ? C'est pas un aileron ? Ah non, aileron, pardon, excuse-moi. Non, parce que c'est la dent de Mosasaur Alpha par contre. Bah là, faut qu'on trouve une sortie, je vous avoue. Je connais pas. Qu'on fasse le chemin arrière. Non, je pense qu'il doit y avoir un autre chemin. Non, non. On s'est rallongé, je pense en vrai. Je pense que si on va par là, je pense qu'on doit pouvoir ressortir ça. Ah bah oui, on est sorti par là. C'est à droite qu'il fallait, ouais, c'est ça. Ah bah là, je t'avoue, mec, trop fort, hein, parce que c'est encore la même. Je reconnais pas du tout, là. Hein. Bah, mets-le sur mon téléphone. Mais pour là, pour moi, c'est là où on était monté, non ? C'est là où t'as dit, ouais. Y a de la lave et tout. Ouais, donc c'est de l'autre côté. Faites demi-tour. Ouais, bah oui. Là, regarde, c'est là où on a galéré. Regarde la note. Donc c'est derrière. Ouais, c'est derrière. Donc il y avait un chemin plus court pour y aller du coup. Ah oui, parce que tu prenais direct à droite en fait et... Ok, donc là on va tout droit là-bas. Mmh. Il y aurait, ouais. En fait on arrive ici, c'est direct à droite et hop. Dans le petit trou et puis voilà. Ok, donc là ça sert à rien ce qu'on vient de faire. Parce que là, bah, du coup, bah, y a la grande cave. Je comprends rien à ce qu'on fait. Je suis perdu, je vous le dis. Ok, donc là, faut aller par là, j'imagine.
Ok, tout droit. Droite là ? On n'y a pas été à droite. Ah bon ? Tu vois que ça peut respawn ? Non, les Dun Cléo et tout ça, non, je pense. Ils attaquent pas, donc à mon avis on y a été. Ouais, vas-y. J'ai plus de stam, les gars. Ouais, moi c'est pareil. Ah bon ? Ouais, j'ai plus de stam. Oh là, attends. Ah, je me fais attaquer. Ouais, venez là. Ouais, je vous rejoins, il faut que je récupère ma stam, j'ai plus de stam du tout. C'est bon, je suis full stam, on peut y aller. Allez. Ça me paraît bien, ouais, ça sent bon là. Bien ouais. Joué. Bien joué, bien joué. Ouais. Non, je me rends permis dans les caves sous-marines que dans les caves terrestres, quoi. Ouais. Parce que bon, on s'en souvient du Benke. J'arrive pas à sortir, les gars. Allez, et puis là, on remonte direct à la surface. Ça marche ? Allez, à la verticale. Oh, le cube là. Ah bah ouais hein. Bah Ben, qu'est-ce que tu fais là? Pas bois. Ouais, c'est ça. T'es dans la base, voilà. T'es dans la base, Aurel, t'es dans la base. Salut, c'est... Aurel est littéralement au milieu de la base. Alors en mode, salut, c'est moi les potes. On doit dehors, c'est discret. Hein. Ok, est-ce que j'ai des trucs à récupérer? Oh, t'es fou. Oh. Non, non. Qu'est-ce que vous faites? Il est où mon Basilo? Oh non, il est parti le Basilo. Vas-y, viens là. Ouais, c'est bon. Hop, normalement il y a mon Ptera dehors là. Oui, c'est un petit peu envolé, mais ouais. T'es envolé. T'es où Aurel toi? Bah moi je suis là. Je suis débile. Ah oui, t'es de là-bas, ok. Je suis là où on s'est posé. Ok, ok. Bon, c'est comme on s'est posé juste de l'autre côté du truc. Hop. Ok, on est bien. Est-ce qu'on va se faire... Allez, niveau 100. 5 un autre 200. On va se faire l'artefact de la meute. On n'est pas loin. Et de l'autre côté de la base? Non. On est en... L'artefact de la... Un peu de trucs, par contre. Ah mais la meute on l'a déjà, non? Je crois. Oui, on l'a fait. Il est à gauche en bas. Ouais, il est en bas, ouais. Ouais, non, on l'a déjà fait. La bête, on vient de le faire. C'est lequel qui nous manque pour... Terre 1194. Ouais, non, les non, la meute, on l'a pas. D'accord. Alors ça, c'est l'île au Carnot. C'est bon. Il est descendu. Je retourne à la base. Ah ouais? Vas-y. Il faut que j'aille poser tout ce que j'ai. Ok, vas-y, ça marche. Lourd. Vas-y, ça marche. Vas-y, on va à la base. Il est là-bas. Elle est full à droite. On peut aller... Ouais, je sais pas. Enfin, en fait, faut faire le tour de la montagne. Bah ouais, faut passer... Faut longer la montagne. Faut qu'elle soit sur ta droite, quoi. Bon, sur la gauche, ça marche aussi. On a pile poil au milieu. Non ? Si, si. Ça, bah ouais, faut qu'on voit ce qu'on décide de faire là après. Il y en a pas une empoisonnée de cave ici? Si, elle est dans le Redwood. C'est la cave du Redwood. On a des masques à gaz à la rigueur. C'est la cave, c'est l'artefact de l'immunisé. J'ai absolument pas envie de la faire là. Je te le dis. C'est la pire.
Après, il y a l'artefact Seigneur du Ciel, si vous voulez. Il est, tu sais, c'est dans le biome neige, là. Ouais. Ouais, dans la petite crique, on était juste à côté. Quand tu regardes ta map, c'est juste une toute petite crique, elle est là. Ouais, c'est ça, en haut à gauche. Il y a une base qui est à peine devant, qui est jolie comme tout. Je suis pas très fan de comment elle a été faite. L'autre qui est devant hein. Ouais. Ah, je l'ai vu de nuit, je trouvais ouais, ça. Ouais, Basilo, je dépose. Puisqu'en soi, on a plus besoin. Tac. Je vais déposer. BP de sel. De Basilo. De Manta. Arc compo. Tu le mets où le Basilo? Dans les cryo-fridge là. Ah ouais? Oui. Je dépose mes artefacts. Mes trucs aussi. Déposer la selle. Tac. Et déposer oui. Mon stuff de plongée. Ça, ça sera fait. Parce que là, on va pas retourner dans l'eau. Ok. On va plutôt prendre des tilas quoi. C'est pas, ça dépend de ce que vous voulez faire en fait. Au final. On va la faire à pied. Ouais ouais mais pour y aller. Ouais on peut prendre des pteras pour y aller ouais. Faut qu'on prenne quand même un. Prenez des antidotes. Ah oui, bien vu. Antidote bien vu. Dans le mégalodon, c'est parti sur du 160. Ah, sacré chicot, hein. Ouais, c'est notre... Ok. Ah, ça, c'est là. On va faire la grotte qui est pas loin, là, dans la neige, là. À flanc de montagne, là. On fait ouais, celle-là. Pas loin. Vas-y. On va reprendre les terrains, on va faire ça. Mais si, j'ai une lunette sur mon fusil, je l'ai juste pas installé. Hey, oh, ouais. On aime bien le village. Toxine biologique, j'en ai 3100. Pas mal. Ouais, c'est pas dégueu. Hein. Par contre, les tuceaux qu'on a croisés tout à l'heure. Hein. Ah, ok, mais... j'ai mes antidotes, j'ai tout. Moi, j'ai rien du tout. Kératine. Je suis en train de ranger ce que j'ai sur moi. Ok, on commence. Oh là là. On commence à en avoir quelques-uns là. Ouais. Hein. Bah là, si on veut. Alors attends, la bête on l'a, on est d'accord, hein. La puissance, on l'a pas. La ruse, on vient de le faire. Seigneur de machin, on l'a pas. Dévoreur, on l'a. La meute, on l'a pas. Donc il nous manque. Il nous manque meute, immunisé, puissance, seigneur de guerre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10 au total. Là, on en a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il en manque 4. Meute, immunisé, puissance, seigneur de guerre. Ok. Eh ben écoutez, si vous êtes chaud, go. On va faire les deux dans la neige, là. Ok. On va faire la puissance et seigneur de ciel. Du ciel. Ça vous va? Allez. Vous avez assez de balles, là? Allez. Parce que moi, perso, en vrai, j'en ai 192. Je pense que je vais en reprendre un peu parce que... J'ai ce qu'il faut. Ouais, toi, tu dois en avoir 2000 sur toi. Non, j'ai pris un stack de 500. J'ai des corrects. Ok. Bah vas-y, on vas-y. Poser des tenues de pluie, hein, fallait être ouais. Pluie. Ouais. Ouais, t'étais un peu humide, hein. On prenne un peu de cartouches, oh non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. On a qu'à dire que c'est ce qu'il faut. Vous avez des grappins, par contre? On est 16. Mmh. Ouais, 16, ça va. On est 10. Après, quand tu vois comment je m'en sers, ça sert. Ah, reprends-en quelques-uns, alors.
Et puis, là, il y en a dans le smoothie qui ont été faits. Attends, je rêve ou tu t'es peint en orange et... Enfin, en jaune et violet comme WAM. Ah non, je suis pas en jaune. Je suis en bronze. Ah, ça fait une couleur bizarre. Pourquoi t'as mis du violet? T'as mis du violet, par contre. Ouais, j'ai mis du violet, mais que sur les parties souples. Ok. Ok, j'ai le Ptera. J'avais pas vu que t'étais plein comme ça. deux secondes. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Qu'est-ce que je vais prendre? Je les sens là, mais là... Et des breuvages médicinaux Ouais, j'en ai 4. J'en ai 86, moi. C'est 100, là. Je suis obligé d'en avoir, parce que bon... Par contre, pensez-y, là où on va, là. Seigneur du ciel. Genre, quand tu tombes dans le vide, hein. Donc là, okay. Je suis pas sûr de pouvoir récupérer les stuffs. Donc pensez-y. Ouais, ouais, je vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait pas les fous, quoi. Ouais. On va éviter de tomber dans le vide, quoi. On joue sécure. Ouais. Je préfère que tu joues à Spider-Man plutôt qu'un Ben qui dit « Regarde, je cours vite !» Oh, merde. On a de la narco, un peu. Narcotique, oui. Tu veux faire quoi avec? Des flèches narco. On en a pas besoin. Oh, j'ai des flèches. Il a pris des kibbles. Jamais sur un malentendu, il trouve un mandino. Ah, d'ailleurs, je vais prendre les gâteaux. Arrête. Oh là là. Mais on va dans la neige, il y en a pas, je crois, des achatina. Si, il y en a, mais ils sont gelés. Ils bavent moins vite. Vous savez que... On va faire la plus la cave la plus dure, tu sais, en glace, là. Vous vous souvenez, hein? Elle est très dure, hein. Ouais, ouais, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plein de trucs. Moi, je serais d'avis de prendre des tilas, quand même. Ouais. Tu veux prendre un tila? Ouais, je reprends un au pif. Mais là-haut. Tuer, tout est bien. Là-haut, vous avez les votes. Bah tiens, non, pas, j'en prends un. Elle m'a sorti un dino, elle. Bon, je vais le garder, je verrai ça tout à l'heure. Moi, je reprends verdure, hop. Pour accouvrir. Il faudra qu'on en fasse un une fois que t'auras les dinos. Ouais, j'essaye, hein, j'y travaille, hein, mais c'est pas fait encore. Hein. Ouais, ils sont encore en train de se reproduire. Ouais, ouais, pas fait que ça. On va dans la crique. Ah non, vous avez pas vos dinos encore. Ah. Ouais, je suis bien. Ben? J'arrive dans 30 secondes. Qu'est-ce qu'il fait, lui, encore? Ben, il est en train de se faire des biotoxines, des machins. C'est, il est en mode timing. C'est que non, j'essaie de jeter le basilo dans l'eau, mais j'y arrive pas. Mais mets-le dans la cryo-fridge. Je l'ai pas mis dans l'eau exprès, justement. Ouais, moi aussi. Ça fait un peu moins de dino dehors. Et là, je le vis un peu mieux au niveau de mes FPS. J'en ai 60, quoi. 70. Et ouais, quand tu auras pas l'énorme Game Boy... ou l'énorme télétube cathodique en haut de la montagne, ça ira mieux. C'est joli, ça chauffe l'eau du lac. Ah, tu m'étonnes. On doit pas, on doit pas payer cher en électricité, je vous le dis, moi. Vu les panneaux solaires qu'il nous a installés, lui. Ils sont grands maintenant, les pour moi. Ah non, ils sont adolescents. Allez, go. On va, du coup, dans la crique. Donc, la crique qui est en, je dirais, 20... En 17... 17 ? Ouais, 17-17. En 17-17. Et c'est pas là où il y a les pingouins? C'est après les pingouins, non? Oui, c'est, ouais, bah, c'est en face de l'île aux pingouins, ouais. C'est ça. Ouais. L'île aux pingouins. Bah, c'est le papa pingouin, quoi. Ah, vous avez des repères, c'est fou. Bah, en fait, il y a 4 îles sur cette map, aux 4 extrémités. En haut à droite, l'île des carnivores. En haut à gauche, l'île des pingouins. En bas à droite, l'île des herbivores. Et en bas à gauche, l'île des tuzos. J'y fais frayer par un Fayouti, t'y crois? Mais non, mais en même temps, c'est. Juste brevet. Si tu voles un Razmot aussi, c'est normal. Hein. Oh, j'étais loin. Je le suis, il était loin. Ça. Moi, j'ai coupé genre en hauteur direction la tour bleue parce que c'est derrière la tour bleue. Non, mmh. C'est à droite. Impeccable, je viens de perdre la moitié de mon énergie pour rien. Moi, je découvre la carte en même temps. Moi il me manque en bas à gauche du coup parce qu'on n'y a pas été encore. Mais sinon j'ai à peu près toute la carte.
Attends, tu y as été en bas à gauche? Il me manque, on va dire 5% de la carte. Ok. Moi, rien que pour le kiff, après, je prendrai un dino volant et j'irai chercher tous les bords, tu sais. Ouais, je ferai tout le tour, mais bien sûr, mais oui, bien sûr. Rien que pour le kiff de dire, j'ai tout, tu vois. Et je prendrai le dino et je serai en bordure de map. Oh, y'a un bébé d'atelier. Waouh. Par contre, si vous trouvez un bébé de cooking pot, pourquoi faut le garder. Pourquoi? Ah oui. Parce qu'on peut pas les craft. Mais je crois on que a du que coup. S+. Ils... Mais du coup, ils ont été retirés. Bah non, parce que là, il a un BP d'atelier. Et donc. Les ateliers de base, c'est. Ok. Et donc pour les events, il y a souvent des events, tu vois, pour Noël ou des trucs comme ça, là, qu'on arrive à Noël, même pour Halloween. Ouais. Où ils font des. Où tu peux faire des chibis souvent dans les cooking pots. Les forges classiques aussi, peut-être. Et peut-être, ouais, les forges classiques, ouais. Ah, mais ça se trouve, un oui, BP on. De forge. Un Karcha 26 dans la neige. Un Karcha dans la neige? Ouais. Ouais, 26. Ouais. Ok. Intéressant. Je vous attends au bord du truc. Bord de l'eau. C'est vraiment dans la baie. Hein. Ouais, je sais. C'est vraiment pile poil. Ouais. Sur un flanc de colline à gauche. Tu vois là, l'île qui est juste en face. Ouais. Il y avait une base ici. Là. Mais je crois que. Ah non, l'île. Non, c'est l'autre qui est. Ah, non, okay. C'est l'île au pingouin, justement. Parce que de camouflage. Mais non, j'ai pas de cryo, je peux pas cryo le ptera. Bon, il reste là, c'est pas grave. C'est de toute façon, il reste rien. Non, mais il risque rien de toute façon. Et vu qu'on va revenir là. Puis il risque rien. Non, ouais, il risque rien. Il y a rien qui tombe d'ici. Alors. Je mets ça. Ouais, du coup, là, moi, tu peux. Ouais, je suis full équipé du coup. M'excuserai. Hop, je prends ma petite loutre. Tu risques. Pour un bien chaud. Tu risques pas d'avoir froid, hein. Résistance au froid 740, frérot. Il pourrait faire un blizzard que t'aurais pas froid, tu sais. Ouais, je sais. Ça fait partie des grottes que j'aime bien, celle-là. Mais. As-tu... Celle-là, moi aussi. Attends. Bon. Mais je suis trop grand. Celle-là. Ouais, faut que tu. T'appuies. On avance ensemble. Celle-là, en vanilla, je la faisais tout nu. Tout nu. Ouais, bah tu sprintes. Ouais. Je sais plus par où sprint faut aller. Et tu te mets full résistance et. Tout droit, je crois. À gauche. Non. Voilà. Oulololololol, oui. Ah, c'est ce que. Oh là là, ah, Onyx. Ah, mais tu vois, faut faire gaffe parce que là. Non, pas là non plus. Et normalement, c'est je pense qu'il y a un chemin où on n'est pas obligé de sauter. Hein. Gauche. Ah. Gauche alors. Non, ici, droite. Oh là là là, j'ai failli mourir. Là où vous êtes? Non, pas là. Y'a rien là. Gauche, droite. Je voyais pas le chemin. Ok. Pas. Oh là là. Oh, oh, m'a fait peur. Genre, tu sais comme un. Comment ça s'appelle dans les films d'horreur là? Ah, c'est le Way Aurel, non? Vas-y. Ah non? Merde, attendez, je pensais que je pouvais revenir. Non, en fait non. C'était pas là? Bah venez par là peut-être. Là ça serait là. Là par là. Oh, on m'a fait peur. Faut toujours accompli en fait. Là par ici non? C'est joli. Hein. Ah. Moi je dirais par ici. Hein. Ah, on doit pas être loin, rien. Ouais. Ouais, il est en bas de nous. Voilà, il y a les Onyx. Rien en fait. Oh. Oh. Ah, je les vois tous les deux reculer. Pas tirer parce que je vais en décoiffer. Vas-y, on s'en fout. J'ai eu en pleine tête. Faites gaffe parce que vous pouvez mourir. Hein. On peut pas. Oh, ben. Non, mais ça va. T'as sauté? Ouais, mais il y a un truc juste en dessous. Donc ça va. Bon, écoutez, je prends l'artefact. Ah, c'est bon. Vas-y, tu peux le chemin. Attendez, on s'écarte de là. Oh, y'a quoi là? Pourquoi y'a un truc? Vas-y, on s'écarte pour qu'il respawn. T'as pas un grappin? T'es parti où, Ben? T'inquiète. Eh, vous faites des bisous derrière le mur là-bas, je vous vois. Eh, coucou. Coucou. Il a pas respawn encore? Non, faut s'écarter peut-être plus loin. Oh, qui c'est qui est mort? Non. Non.
Je me suis arrêté à. Ah ouais, s'il te plaît. Hein. Prends ton grappin. Parce que là, ça sera hyper dur d'aller. Je pense que normalement, il est perdu le stuff. Hein. Parce que vu que c'est dans le vide. Ah oui, il faut qu'on s'écarte. On est encore trop près du truc pour qu'il respawn. Putain, ça fait chier. Moi, je cours pas là-dedans. Non, moi non plus. Ça fait partie des caves où effectivement je. Si c'est passé. C'est moi qui ai pris un loot. Perdu. Putain, il a pas respawn. Bon, on ressort et puis on rentre. On en a pris qu'un ou on en a pris deux là? On a pris un, moi j'en ai pris un. Vas-y, fais gaffe Aurel. Hein. Je vous ai perdu. Attends, mais moi je suis Aurel, mais j'ai peur de tomber. Je sais pas où on va alors. Là, ici. Ah bah c'est bon, je suis avec toi. Non, non, c'est bon. Bah t'es au bon endroit, je crois, Ben. Non, je crois pas. C'est Zonic. Ah non, y'a un trou là. Y'a un trou, y'a un trou. Ouais, non, en haut là à droite, non? Non, c'est par là où on est passé. Oh, oh là, oh là, il est demi-tour. Oh, oh. Non, en haut à droite, en haut à droite, en haut à droite. En haut à droite, droite. Attends, parce qu'il y avait Ricky, t'es dans un. Ah ouais, j'étais dans la panade. Oh, venez derrière, venez derrière. Non, mais j'essaie juste de découvrir la cave en fait, parce que j'ai l'impression que je tourne un peu en rond là. Il doit y avoir des notes dans cette cave donc. Ah, je suis pas sûr. Par salut. Salut. Ah, mais merde, attends. Comment vous avez fait là? Attendez, attendez, attendez. C'est de vous rejoindre. Fais le tour. Droite, droite. Tour, toi, là, là. Ok. Tac, tac. Et ici, c'est la sortie, ici. Droite, droite, là, là, là. Hop, tac, tac. Bah, venez, on sort et on re-rentre. Allez. Comme allez, ça, on va voir si on peut récupérer le artefact, parce que ça me gave. Faites qu'il est parti. Sort. Ouais, bah, ça va. Faut que je passe mon grosse fesse, hein. Qui c'est qui a l'artefact, du coup? Moi. Ok. Quelqu'un, c'est... T'y retournes, Aurel? Ouais, j'y retourne. Mais fais doucement, hein. T'inquiète. Je m'inquiète pas. Milieu. Ça y est, il va me sortir qu'il connaît par cœur. Milieu, droite, droite, gauche, droite, droite. L'autre il s'est cru sur un rallye, tu sais. C'est un peu ça, hein. C'est profond quand même, non? Mmh. C'est souvent ce qui se passe. Et bon, il a repop. Nice. Encore un artefact. Après, on va chercher l'autre, là. Donc, on a l'artefact du Seigneur du Ciel. Tu mets des points sur ta map, toi, ou pas? J'ai pas mis celui de la souris de... Tu sais ce que je te ferai? Je prendrai toutes les maps et je les mettrai, tu sais, sur Discord. Comme ça, vous vous faites pas chier. Je m'en occupe. Oh, Aurel, tu viens de le récupérer. Ouais. On a eu le... Faut sauter, là? Non, 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 y a pas à sauter nulle part. Hein. À aucun moment, tu dois sauter, normalement. Y'a rien qui descend. Ouais, bah c'est pas ouais, ouais. Ouais, c'est... ouais, peut-être qu'il y a des trucs qui peuvent descendre du coup. J'ai failli mourir. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Ouais, vous inquiétez pas, y'a rien qui descend. Peut-être que c'est. Bon. Bon. Ouais, c'est... Ah oui, c'est des... une belle boutade. Bon, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Je m'amuse. Attends, je cherche Aurel. Un petit Aurel là. Oh putain. C'est bon, là. Vas-y, let's go. Bon, t'avais fini en fait. Merde, oui, oui. Par là. Je suis venu pour rien quoi. Allez. Non, j'ai fait le tour du. Hop. D'un truc, je fais, attends. Hop. Et là, on va en 29-31. Donc, bah par là, exactement. Vous êtes prêts? Vas-y. C'est parti. 29-31. Allez, go. C'est... Je pense que, avec la cave de lave, je pense que c'est la plus dure, celle-là. Ah oui. Tu sais, c'est celle où il y a tous les ours, tous les trucs dans tous les sens et tout, là. Il y a un... Ah non. Ah bah c'est ça, ouais, d'accord. Yo, tu descends. Ouais. Pas dégueu. Ah, Yuchi 201, ça stam, tu vois. Hop. Bah, c'est dit. Bah, vas-y, super. Mais un Karcha là. Ah, tu vois, c'est le Karcha que je te disais 26. Ah, oui, mais il est tamé. Non. Ah, non. Ah, non, il est pas tamé celui-là. Ah, non, il est pas tamé, ouais. Aïe.
Elle est où l'entrée de la cave? Elle est en bas là. Elle est où? Elle est où l'entrée de cette cave là? J'ai dit 29. Alors 29 du coup c'est par là. Alors attendez. 29-31. Ok, on my way. C'est là, là, non? Vous l'avez? Non, non, pardon. 29,4-31,9. Ah bah oui, je suis con, je suis devant depuis tout à l'heure. Ok, c'est bon. Attends, je vais faire un truc. Ça va bien se passer. Je vais, hop, le rentrer là. Comme ça, on est sûr qu'il sera pas attaqué vu que j'ai pas de... Donc 29,5 et 32. Bon allez, il a des idées de faire toute la game sur son terrain. Là, il est en sécurité là. Ah là, il risque rien là. T'as trouvé ou pas, Ben? Ah oui, ça s'appelle comment celle-là? Caverne de neige, mais si tu veux la... Tu veux quoi, le nom de la caverne ou l'artefact? L'artefact, ouais. Puissance. C'est la puissance. C'est la puissance. C'est la cave de Roth. Oh oui, bien. Qu'est-ce qu'on est bien avec nos petites armures full flak là? Overcheat. Oh, mmh. C'est vrai que cette cave elle a une petite ambiance de zinzin aussi. C'est donc, ouais, je pense la plus dure, très honnêtement. J'aime pas passer par là. En général, il y a des... Ah, super, l'abominable des neiges. Oh là, oh, oh les... il m'a mis une calotte, mon pote. Je vais prendre mon... Oh, merde. Je reload. Il est sur moi, là. Ouais. Oh, Megatherium. Oh, ok, 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 je sors le Yuti. Le Yuti, là. C'est bon. Ah. Ah ouais, ouais, non, mais là, tu te rends compte les calottes qui claquent, là. Attends, Aurel, pour que tu puisses sortir ton Yuti, là. Mais là, il y a... oh, je suis face à un ours qui me faisait mal, là. C'est vrai que cette cave, ça y est, je viens de comprendre. Cette cave-là, on a pour l'habitude de la faire en grappin, vous vous souvenez? Ouais. Oh, il y a encore du monde qui arrive. Hein. Vas-y, ouais, je reste là. Ouais. Recharge. Oh là là, ce qui me met en dégâts. J'imagine t'avais pas mis de sac de couchage, Ben? Non, pas cette fois. Ok. Alors prends un terrain, j'ai ton stuff. Ouais, t'inquiète. Rejoins-moi, Aurel. Et on va commencer déjà à clean un peu l'endroit là. Oh, vite, 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 Aurel. Pourquoi faire? Bah parce que je suis stun par le Purlovia. Tue le Purlovia. Même stun à l'autre aussi, si vous là, là, à côté. Bah elle est là, elle est avec moi. Là. Ah ouais, j'étais stun par le Purlovia là. J'ai pas rigolé, je te le dis. L'autre, elle est sur mon dos. Oh putain. Il y a les ours qui arrivent. Oh attends, Eric vient là. Mais je peux rien faire. Attends, Ben. Pourquoi? Bah parce que les ours ils arrivent. Bon attends, mon frère. Bah reste là, comme ça moi ils viennent pas m'attaquer là. Bah de toute façon ils peuvent pas passer. Hop, je prends le terrain, j'arrive. Allez hop. Je vais caler ça. Bon vas-y, allez. À 4 minutes. Je le mette en cryo là. À l'autre? Non, non, bah, mais là, prends-la sur toi. Oh non. Bah, ah, là, je l'ai posé. Sur les épaules. Mais mecs, ils sont tellement violents, les Yetis! Mais ils sont pas tamables là, par contre, c'est marqué not tamable. Alors, on va finir de clean là déjà cet endroit là. Parce que bon. Parce que moi j'ai un truc de patate. Oh, faut pas descendre dans l'eau. On prend des dégâts dans l'eau. Oui. Je savais pas. Je croyais qu'on pouvait descendre dans l'eau là. Mm-mm. On peut pas descendre dans l'eau. Ok. C'est une bête d'un vose hein. Ah, y'a des loups. Oh, des loups 300, je sais pas combien. Je me sens bien plus en sécurité sur mon tillage, je te le dis. Hein.
Là, à pied, c'était une autre histoire déjà. Oh, l'ours. Et même avec nos scènes mythiques, il code du 49. Hein. Oh la vache. Ouais, il y a King Kong là. C'est là qu'il faut que tu viennes pêcher avec ton saumon, mon pote. Faut que tu viennes tout clean là. Là, les saumons ils sont niveau 500, gros. Ouais, j'avoue. Attends, je vais chercher, mais je reste pas à passer. Ouais, tu peux pas. Faut que tu y ailles comme ça. Oh bah super. Oh, putain, y a un singe qui arrive. Hein, je pense à Ludo demain qui va regarder la rediff. Il a pété un câble. Pourquoi? Sur les niveaux des saumons. Ah oui, oui. Là, je tue un saumon 350, gros. Il y a des saumons. Il y a des saumons 549, gros. Du coup, faut qu'on traverse quand même là. Ah, bah t'as pu y aller. On s'imposte. Ok. Ah, oui, c'est le truc qui nous bloquait. Oh putain, plus l'eau, il y a la con. Là, il y en a deux autres, hein. Vas-y, pop. Enfin, attire-les. Attends. Ah, on peut pas. On peut pas. Je vais l'attirer. Oh, dans l'eau. Oh. Ah, raté. Raté. Pourquoi j'ai pas accès à mon dino? Je peux pas. Il est stone. Ah, du coup, je peux pas monter dessus tant qu'il est stone. Ouais. Ok. C'est bon, on a clean la première cave. C'est bon, mais tu t'en sors. Oh, je suis en train d'arriver. Comme ça, quoi qu'il arrive, tu peux revenir pépouze. Hop là, quoi qu'il arrive, tu peux revenir pépouze. Ouais, je suis là. Je suis à la cave là. Ouais, je vais attendre. On l'a pas ramassé ton stuff, je crois, non? Il est toujours au sol. Non, il est par terre quand même, merde. Allez, vas-y. T'en as un? Un là? Non, je n'en ai pas pris. Ah, c'est bien joué. Ouais. Bah écoute, tu restes derrière nous, hein. Ouais, bah oui. Je suis à pompe. Allez. Par contre, fais gaffe, tu peux pas aller dans l'eau. Tu prends des tics de dégâts. Donc vu que t'as 0 HP, soit tu fais le tour, soit... Mais là, c'est gay et bien pour venir farm le cristal, t'as vu? Mais cristal... Ah ouais, y'en a bien, mais... Allez, viens! Mais... que des mots droits, pardon. Non, je regardais ce qu'il y avait. Je sais, j'ai bien vu que t'étais en train de chercher du saumon. Non, non, je voulais le piranha, je voulais voir s'il y avait des piranhas. Je les nasse, mec, les piranhas 300 et quelques, je les nasse. Ouais, c'est pas con. J'attends pas les nasses. On retraverse. Polaire 300. Bah oui, on y va là. On continue. Hop, parce que là on était à la première partie de la cave. On a pris la loutre. Ouais. Okay. Oh, tu peux tirer de derrière toi. Voilà. Non. Tu peux tirer une balle. Tu peux pas nous faire des dégâts. Ah bah là tu vas être utile parce que là il y a des Purlovia. Ils vont me sauter dessus. Ah, il m'a stun le bâtard. Non, il m'a stun. Enfin, alors. Il m'a... Oula, oula, oula. Il y a un ours. Il y a un purlovien. Voilà, ça c'est bon. Il y a des gorilles. J'essaie de te protéger mais... J'arrive pas à le décaler. C'est bon, je me suis mis entre toi et le gorille. Reviens vers nous. Ah putain, il se tourne encore le bâtard. Ouais mais c'est pas grave ça. Lui il risque rien. Ton dino risque rien. Allez, on avance. Oh, Purlovia. C'est moi qui sustain, faut me protéger. Ouais, j'y suis. Dessus. Tu prends des dégâts, c'est sûr, mais. J'ai coincé entre vous deux. Normalement, t'es bon. Oh là là. Allez, on est. Oh, mon armure, elle a pris un. Il y a un ours derrière. Ah, je suis encore stun. Oh non. Oh, sors de là. Oh non. C'est un spino que je vois là-bas? Ah non, c'est un ours. Non, je peux pas bouger de toute façon. Ah, ça va être horrible les Purlovia. Continue comme ça, c'est bien. Et lui, il est encore stun là? Ouais, allez go. Là, c'est bon. Là, on est bien. On est bien. Je me méfie parce que. Regarde les Purlovia là-bas. Au moyen de les dessouder là? J'arrive sur toi, mec.
Vas-y, je prends le loot là. Ouais, super. Ravi. Deux là-bas des purs leviers, t'as vu. De toute façon, faut qu'on avance par là. Oh! Mustang. Ouais, t'es stun toi. Oh là là, je prends des chips de dégâts à chaque fois. Encore? Non? Okay. Un autre là, attendez, je le. Yep. Ok, c'est bon. Non, on va faire ça. Moi, je vais les attirer et. Ok. 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 Non, mais ils sont morts, non? Ah non. Ah bah, pas celui-là. Vas-y, mouche-le. Ouais, parfait. Allez. Allez, on continue. Ouh, c'est chaud, hein? Cette cave, elle est chaud, hein? Bon, après, si tu l'as fait au grappin, c'est deux fois plus simple, mais. Vu qu'on l'a fait. Là pour le coup, c'est du full legit nos caves. Hein. Putain. Oula. Ah, on prend des tics. Hein. On sort, Ben. Ah ouais, c'est bon, je suis derrière vous. Oh ouais, oh, il est rendu dans les platanes. Oh là 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 là. Ok, on position de sécurité pour Ben là. Oh, mais Ben, il va jamais résister là. Mais tout. Ouais. Là voilà, on se met comme ça là, et Ben il se met derrière nous. Pas de problème. Merde, y'a plus de position de sécurité là. Allez. Ok, qui c'est qui va chercher le loot? Non, ça va, y'a un loot. Ça roule. On va pas finir. Ah, le loot. Vas-y, vas-y, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Allez, continue à mourir. Ok, vas-y, je vais vite aller chercher le loot. Aïe, oui, aïe, oui. Aïe. Ok. Stylé. Oh, les gorilles, ils vont nous casser la gueule. T'es déjà parti toi en plus. Non mais ils me font reculer va. Oh, ils me cassent la gueule. Hein. Attends, ils veulent Ben. Oh là, je suis en gangbang, je vais mourir, venez, venez. Attends, j'arrive. Je suis mid-life. Je suis mid-life. En plus, je suis dans l'eau, je suis bloqué dans l'eau. Oh là mon Dino il est mort. Oh, oh ça va, je t'ai poussé par. Oh là 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 là, ça s'est mal. Ça s'est mal goupillé là cette histoire. Oh, ils m'ont gangbang, je pouvais plus rien faire, j'ai perdu 5000 HP. Ok. Ok, là on peut continuer par là. Bon, les loups ne font pas trop peur. Ouh, les loups là, il arrive pas aux loups là. Ils ont peur, les loups. Ils ont peur, les loups. T'as vu la carrure? Ouais, par contre, là, je passe pas, moi. Bah, t'as pas une pioche, toi? J'ai chiant, moi. Ah, ouais, je te connais, toi. Là, t'emmènes la moitié de ta maison, toi. Hein? Oui, aïe. Oh, reste là, Ben, reste là. Ouais. Si tu te mets au milieu de nous deux là, au milieu de nos deux têtes, tu vas pouvoir mieux shooter, je pense. Attends, non, parce qu'on va se faire défoncer. Ouais, il faut pas que ça l'atteigne. Pas le problème, c'est ça. Ça doit être un recul. Ouais, c'est bon, je bloque, je vous bloque là avec mon corps, mais. Voilà. Faut tout voir, je suis. Attends, mais. Bon, alors, quand vous voyez que. Et là, c'est ce que je suis en train de voir là. C'est que. La cave, c'est l'une des plus dures de cette map, mais c'est surtout une des maps les plus faciles, quoi. Et quand je vois la gueule de Nodido, comment il résiste pas à ça, il y a 19 pure lovia dans le trou, là. J'ai envie de jeter une grenade. Attendez, j'arrive. What the... Allez-y, les gars. Oh, ah bon, c'est tous fait du stunt. Il est mort. Bah oui, hein, c'était sûr, hein, vu que on s'est tous fait stun. 100%, tous les trois c'est fait stun. On peut pas monter sur nos dinos. Ils sont encore stun. Bah ouais, on peut rien faire. C'était pas le meilleur des bails. Bouge pas, tu les body block. Oh, oh, c'est le catac là. Ah bah là. Oh, c'est la loot, putain. C'est pas. Elle était là depuis le début.
crois que la chasse à l'ours c'était interdit. Oh, les gars qu'on colle. C'est bon là ? Ils sont calmés ? Par contre, j'ai plus de terrain. Mais je comprends pas, j'ai 600 d'HP, one shot les trucs. Bah oui, hein. Moi ça me choque pas pour le coup. Hein. Bon, on fait du coup. Bah on continue, de toute façon, il pourra pas revenir comme ça. Hein. Bah prends mon stuff, prenez mon stuff sur vous, Pierre, et puis je vous attends à la base. Que ça. Bon, je vais pas faire le tri, en fait, je vais tout prendre. Oui, tu t'écoles. Sinon, c'est horrible. Oh putain, mais non. Il est peut-être trop long. Ouais, mais ben gros, il a la moitié de sa non, vie. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'il a l'autre artefact. Ah, ok. Bah, il est où? Il est là. Stuff. Ah, ok. Bah, voilà, parfait. Allez, go. Hop, et là, c'est ici. Oh. T'as une grosse patate là. Il me fatigue. J'ai la machine, machin. Oh, t'es assis. Attends. J'ai tout ce qu'il faut en fait. J'ai pioche, hache. Ah ouais, mais bon, il a la moitié de la base dans son stuff, lui, tu sais. Non, mais il a 120 pierres. Hein. Qu'est-ce que je vais foutre? Oh, mais dégage la pierre, le cristal, tu tèches tout, on s'en fout. Contre le mec, il voulait farm. Il y a de la kibble, mon gars. De quoi? T'as de la kibble sur toi. Je vois pas de quoi tu parles. Par contre, je suis bien content d'avoir l'armure que j'ai hein, parce que elle est quasiment break mon armure. Bon, hein. Ça va. Bon, bah Ben, je pense que son armure elle est toute break. J'ai deux trucs de break. Je t'attends, Ren. Voilà. Attends, bouge pas, la loutre elle est où elle? Elle est morte. Elle est morte? Donc, elle avait un casque mythique. Ah oui, exact. Ouais. Bah, je sais pas où c'est. Je t'avoue. Ouais, je le garde en hommage. Des loutres, ouais, j'irai en tame des plus grosses. Oh bah après, c'est qu'il faut les mettre sur les épaules. Quoi. Bon, c'est surtout qu'elle nous. Enfin, c'est de la déco du coup sur cette map. Puisque. Oh, Aurel. Il faut que tu sautes. Je vais mourir. Je vais pas pouvoir résister. Faut absolument que tu enlèves l'ours de devant moi. Voilà, parfait. Sinon. T'inquiète. Hein. Oh là là, mon armure a pété là. Ah, les Purlovia sont horribles. Il y en a un autre, j'ai vu en plus. On va aller me faire venir de loin. Ouais. Ah, le problème, c'est qu'on peut pas faire venir les Purlovia de loin. Ça, c'est un problème. Ah, mais on peut faire venir les loups, les ours et tout ça. Mais... Est-ce que je peux moucher le Purlovia? Ah non, je peux non, pas moucher. Non, je peux pas. Esquiver. Hein. Vraiment. De quoi? On peut pas les esquiver les Purlovia. Non, c'est cool. En vrai, alors, faudrait mettre le dino en neutre derrière nous. Tu sais, il y a une technique pour esquiver le Purlovia. C'est que là, il est censé. Voilà, celle-là. Ok. Il est parti si loin. Ok, vas-y, je vais me chercher l'autre. Vas-y, je le récupère. Il y en a deux en bas des Purlovia. On va se taper les ours là. Avance pas trop hein. Parce que le Purlovia qui est sous terre. Voilà, c'est ce que je voulais qu'on évite. Ah putain. Reste troisième personne pour pouvoir avoir le reload hein. Enfin je te la prends pas, c'est toi qui me la prends. Ouais, ils sont stealth de merdier là. Oh là, ils prennent cher quand même. Oh mais c'est bien. Je vais attirer le Purlovia là, parce que c'est le Purlovia qui va m'inquiéter dans tout le fight. Ah, c'est bon. Oh. Ok, attends, je push pour pas qu'il t'attaque. Et je vais tanker. Il me massacre les gorilles. Hein. C'est terrible comment ils sont trop forts les Yeti là. Les Yeti Ranus. On est en 227. Ok. Oh, il se passe un truc là. Ouais, là, il y a un peu de. Ils sont buggés les mobs là. Confus. Ils sont où? Pourquoi ils sont en fuite comme ça? Oh, mais bon. J'ai pas envie de leur demander ce jeu. Vous avez dégommé la moitié de la cave en même temps, ils ont peur. Tellement lourd, mec. À cause de toute la fourrure.
Ouais, c'est vrai. Ah, j'avoue, c'est vrai. Là, je la drop. Oh, je la drop. Vas-y, on en est où là? Ça m'agace. Oh, allez, il va me recoller des collègues. Oh là là, il y a une calotte qui claque. Bah là, franchement, très honnêtement, hein, celle-là, sans un Tila, tu la fais pas. Hein. Est-ce que Tila, tu peux. Franchement, c'est bien. Non, c'est par là, je crois. Mais non, on vient de là, non? Non, c'est par là, ouais, ouais. C'est ici. Ouais, il y a un loot là-haut. Ah, vas-y. Dis-moi s'il y a une note, pour savoir si je fais du tour ou pas. Écoute, il y a un loot, mais je vois pas de la... Je vois pas de note. Waouh. J'ai une masse mythique. Marche pas. Ouais, il y a un loup et puis un gorille. Là, il y a l'arté... Enfin, là, il y a le... L'artefact en bas? Ouais, là où j'étais. Là où t'es parti, du coup. C'est la suite de la cave, là. Attends, je descends. Je redescends. Ah oui, t'es parti. Bon. Non, j'ai pas bougé. Je suis sur le cristal. Je suis arrivé de nulle part. Quand il est grand temps qu'on ait une femelle. Parce que là, avoir toujours que des mâles et pas avoir de bonus de couple, c'est de la merde. Hein. Ok, allez. Oh, d'accord. Ok, Eric, doucement. Allez, go. Oh. Ok, on va pas bouger. Bouge pas. Là, très honnêtement, je vois pas comment à pied tu fais ça. Ah, c'est clair. Ou alors même avec des raptors HL. Non, non, les raptors, tu... Peut-être en ours, en vrai. En ours sinistre, bien reproduit. Peut-être qu'on pourrait. Oh, il y a 10... Ok, il y a 19, tu peux enlever... J'essaie de venir, mais j'arrive pas. Ok, je vais attirer les autres. Oh non, il m'a stun. C'est Roger qui est stun. Oh, tu l'as. Là, je sais même pas comment il fait pour être en vie encore. Vas-y, moitié débile. Mais... En même temps, il est juste descendu de l'arbre. Oui. Ok. Oh, ils ont bien, les gars. Ouais. Tout est incroyable quand même. Heureusement, parce que s'ils avaient gardé les loot de base, laisse tomber. Ça aurait été chiant. Y'a quoi dedans? Ah si, c'est bon. Oh, une selle mythique de Belzebuto et une selle de Rignoniata. Non, non, non. Autre chose à faire que de faire trompette. Allez. Au côté suédois, ça. Au côté suédois. Oh, et puis eux, ils ont le bonus, donc ils nous tapent encore plus fort, là. Bonus mâle femelle, là. On va détendre les femelles. Bah, dévoile de me dire que dans l'eau c'est quand même plus simple. Hein. Le Ben, t'avais le temps de faire une repro de Terra, de faire grandir et revenir nous chercher. Tu sais ce que je me dis, Aurel? Ce qui est terrible, c'est que
Voilà, ça. Allez, ça tisse. On va moucher. Oh, tu viens. Ce que je me dis, c'est que on va finir la cave, ça va avoir respawn à l'entrée. Ouais, j'étais en train d'y penser. Je vais chercher ton petit machin. Parce que. Ouais, ça va peut-être respawn. Non, mais c'est sûr. C'est sûr, on met tellement de temps à la gérer la cave là. Oh non! Ah bah là c'est moi qui sustain. Faudrait siffler en. Neutre. Ah bah. Neutre. J'essaie déjà de faire en sorte que tu te. Que tu meurs pas. Non mais en fait c'est qu'il faut qu'il soit neutre lui aussi. Comme ça il peut faire des dégâts en attendant. Ok. Voilà. Oh putain. Attends, je vais le chercher vite fait. Vas-y, je m'occupe du gorille. Eh bah celui-là, on le mérite, hein, je te le dis. Hein. Oh, faut pas descendre dans l'eau là, hein, je te le dis. Putain. Et tout ce qu'il y a. Ouais. Bon allez, on recule un peu. Elle réapparaît quand? Je sais pas. Il a réapparu, non? C'est bon, ouais. Ouais, je vois les ondes. Et B, le Tila, 3000 HP hein, sur les 11000. Hein. Quand même, hein. Beau celui-là. Ouais, il est beau, là. C'est une belle petite boule. Allez, on se casse. Ouais, là je t'avoue, on va run. Hein. Tu me suis? Ouais, je suis doit être derrière toi. Ouais. Il faut remonter vraiment ou pas? On est pas passé par là. Si, si, on est passé là. T'es bon, il faut me quitter tête. Hop là, non. Ah, ça là, respawn. Ah, oh, fallait qu'on aille. Enfin, vas-y. Moi, je pense. T'es où? Fallait pas qu'on aille là, je pense. On redescend là, non? Demi-tour, ouais, ouais. Je crois, on redescend. Vas-y, vas-y. Oh là 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 là. Oh, on va les tuer. Vas-y, je m'occupe des ours du coup. Je suis bloqué donc. Ok, je m'occupe des ours. Il est trop mal. Il a pas 5 quand même. Bon alors on va réfléchir, je vais passer où? Bah non. Non non, c'était bien là. Je vois pas où on peut aller ailleurs. Ah oui, bah si. Donc c'était ça, bien on là. On est arrivé de là, on les a tués dans l'eau. C'est là ah, où Ben. Attends, on passe pas de... Ouais, trop gros. Bon, c'est là où Ben est mort. C'est là, faut faire du jump partout, mais à gauche. Et on peut pas ressortir là-haut, là? À gauche. Hein? Mais non, mais on peut... On... Tu cherches la merde. Mais non, mais c'est par où, la sortie? Bah, ah, mais c'est là-bas. Ouais. C'est par là, non? C'est ici. C'est là la sortie, non? Ouais, c'est ça, c'est là. C'est en haut. Ah, ça respawn partout. Ah, vas-y. Mais moi, je peux pas re-retanker la cave dans l'autre sens. Hein. Il a 2000 HP, mon merdier, là. On fait les loups et après, il va falloir qu'on arrive à esquiver les purs Lovia. Ah, vas-y. Bah ouais, ils ont tous respawné, quoi. Et là, je t'avoue qu'il y a un moment donné... Je vais le bouffer. Arrête-toi deux minutes, on va le faire bouffer. Bon bah oui. Recule, recule, recule. De toute façon, là, faut aller là-haut, là. Il y a un autre Yeti qui arrive, putain. Ah, super. Je
un coup de main. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ok. Il reste là, faut les faire. Non, mais là, moi, je run. Et genre, tant pis. Genre, parce que là, c'est mort. Là, faut aller tout droit, de toute façon. Ouais, c'est ça. Tu me suis? Ok. Allez, go. Vas-y. Vas-y, hop, on passe. Hop, vas-y. Saute. Parce que là, clairement, je peux pas gérer. Oh merde. Bah voilà. Ah. Bah du coup, je vais mourir. Non, attends. Ah, je vais mourir bien. Les deux sont là. Putain. Je voudrais que ton Tila il puisse attaquer surtout. C'est bon. Faut que je tourne. Attends, on se casse au rel parce que sinon. Vas-y, saute. Allez, casse-toi. Là, tout droit. Ah, faut les reprendre en boule. Oui, oh non. Vas-y, reprends-les en boule. Vas-y. J'arrive pas. Du coup, il est pas neutre. Viens là. Oui, c'est bon. Vas-y, viens. Je vais tirer au fusil à pompe. Je peux pas. Vas-y, viens. Viens. Je tire au fusil à pompe, on attend. C'est bon. Oh, Pirlo, viens. Aïe. C'est bon. Putain, ce serait pris dans un truc genre Call of Duty, il faut réussir à sortir et de s'extraire le truc. Ouh, c'était chou patate. Un zombie de Call of, quoi. Ah, c'était dur, hein. Très honnêtement, là, c'était dur, hein. Call of en mode zombie. Mais il y a 25 Uptera, là, par contre. Genre, c'est une colonie pour repartir. Attends, je vais prendre une boule. Il en faut combien de boules? Il en faut une ou deux? Moi, je les prends en follow. Je les ai. Non, mais je les ai en follow, c'est bon. Pourquoi je peux pas monter dessus? Oh, le bâtard. Ah bah oui. Faut que tu le fous. Bah ouais, ah oui. Non, mais laisse tomber, sinon je les ai... Je prends les boboules. Non, c'est bon, je les ai en follow. Et les sangliers, surtout. Oh, c'est pas grave, ça. T'es good? Allez, go. Ouais. Ah, mais y'en a un qui est pas en passif. Ah oui. Siffle les passifs, quoi. Siffle le passif. Allez, viens là, toi. Allez, vamos à la base. Oh là là. Ça a été quelque chose, cette cave là. Je suis en gamma chelou là, non? Non. Il y a un titano. Ouais. Je suis toujours avec le filtre de la cave, c'est dégueulasse. Du coup. Moi aussi. J'ai une lumière dégueulasse en jeu. On a failli crever, hein, très honnêtement, là. Ça a été chaud de night. Hein. Ça va. Bro, il m'a dit ça va. Bah, moi, franchement, ça va. Ouais, moi aussi, hein. Dino, par contre, il est mort de fou. Et Tia, moi, Tila, il a eu mal. Ah, bah, moi, il était à deux doigts de crever à la fin, là. C'est clairement la cave la plus compliquée. Mais vraiment. C'est... Hâte de le refaire avec Ludo. Il va y aller avec son épée, mon gars. Il va y aller avec son singe, gros. Il va se faire trichot, le singe. Tu vas voir. Mais non. Non, mais tu vas voir. J'annonce. Il va y aller. Le singe, il fait pas deux salles de la truc qu'il est mort. Mais il va pas l'emmener, puis c'est tout. Bah, de toute façon, il a que ça. Hein. Ah, le singe. Ouais, le singe. Non, le gros singe, l'énorme gorille. Hein. Ah oui. Pourquoi il y en a... C'est ça qui est mort déjà? Comment? Il y en a déjà un qui est mort, un truc ouais, comme ça? Ouais, mais il est mort dans la lave. Donc bon, c'est pas pareil. Ah oui, d'accord. Ouais, non, mais... Ouais, go, c'est à côté de là. Bah si... Tu crois, toi, qu'ils ont réussi à me bugger, là? Vas-y, c'est bon. Allez, je te ramène ton escadron volant, là, Ben. C'est gentil. Allez.
non. Bon, bah celui-là, tant pis, il reste sans l'air. T'inquiète, il va se poser. Oh, genre, j'ai pris des dégâts de chute là. Vraiment. Un petit tir, ah, il commence à faire. Hein. Non, c'est plus qu'un quart de vie. Ok, il faut que je fasse des. Est-ce que ça marche? Alors, si ta question c'est est-ce que si je mets un gâteau dans le dino, est-ce que ça marche? J'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Ça marche que pour les herbivores. Et il n'y a rien pour les carnivores. Ah ouais, je pensais lui faire une solution buvable. Non, ça marche pas. Je me suis renseigné parce que j'ai dit bon merde, j'aimerais bien qu'il y ait un truc quand même. En vrai, il va péter un câble. Les trucs, je les mets à l'arrache. Voilà. Donc on en a 2, 4, 6, 8. Il en manque 2. Oh, mon armure, elle a pris cher. Au moins, il est pas beau par contre. Hein. Moi aussi. Mais ça va, c'est des dinos de balade, hein. Les vôtres. En vrai, ça va. Et où Ben? Quoi? Hein? Ou quoi? Puis tu vas rigoler. Je te trouve. Tu es dans le bain, toi, mon salaud. C'est sûr. Ouah, le Tila. Et alors, pour info, il restait 1500 HP au Tila. Non, moi, j'ai pas regardé. Ouais, avec un petit peu de froid comme ça, j'étais bien. Allez, on va essayer de réparer son armure, Eric. Ce serait peut-être bien. Peau. On va en faire pull-up, parce que là, 30 000. Ok, allez. Wow, l'armure a deux doigts de péter. Hein. Fusil à pompe aussi. Hein. Il a fait chier, hein, putain. Vache. Ah ben, je te mets tout dans ton coffre. Yes, tu veux, tu l'as. Non, ça c'est, ça va pas là, ça. Tech. Elle a pris cher, votre armure aussi. Ouais, moi, c'est, j'ai réparé. Parce que là... Non, ça c'est pas toi, ça. Dis le pantalon, c'est pas moi. Le pantalon? Ouais. T'es sûr? Oui. C'est à qui? À toi. Ça, c'est à toi. Ah oui, non, moi j'ai, c'est vrai que j'ai pris. Oui, j'avais pris. Oui, oui. Moi, ça et ça. J'ai juste pris ça pour pas avoir froid. Ouais, j'ai juste pris ça pour pas avoir froid. Mm-hmm. Pour pouvoir vous rejoindre facilement. D'accord. C'est de la merde, le singe. Il fout le bugger. Bon, hein. Ça se fait que j'ai des balles comme ça. Il fout le bugger, le singe, en fait. Non, parce que j'en avais pris, moi. Écoute, je crois que j'ai tout. Moi, je pense aussi. C'est une grosse merguez, le singe, en fait. En fait, tu... C'est de la merde en boîte. Des morphodons, tu peux pas lui mettre de casque. Voilà. En fait... Voilà, ça, c'est un casque de loutre. T'en prends soin. Ouais, je suis pas convaincu de cette merde. Mais bon. De quoi? Ouais, faudrait que j'apprenne à la manier. Le gorille, enfin le singe. Je suis pas convaincu du truc. Oh, ça va pas trop mal. C'est compliqué, je pense. Là. Oh, là j'ai galéré. Ça on s'en servira quand on sera sur. Quand sur on la s'en... map adaptée. Yes. Eh ben, c'est pas mal là, tous ces petits artefacts. Il en manque deux. On va mettre les deux piédestals et puis voilà. Je vais les mettre. On les a fabriqués en plus, je crois. Ouais, il en manque deux ? Ouais. Ah ouais, il manque deux artefacts. Hein. Encore. Il manque. Tout à fait.
Oui, ça te plaît pas, c'est pour bien aligner. C'est... Non, j'ai rien dit, c'est bon. Alors, il nous manque lesquels ? Donc, puissance, c'est bon. Il manque la meute et immunisé. Immunisé, c'est le Redwood, et la meute, c'est une cave normale. C'est joli, hein. Moi, j'aime bien. Ça fait propre ici, en fait. C'est peut-être pas là que vous vouliez les mettre, à la base, mais... Oui, c'est très bien. Mais du coup, quand t'es là, tu vois tous les artefacts, c'est stylé. Mais bon, il en faut un paquet, hein, parce que là, vous avez déposé tous les artefacts, là. Tout ce qu'on avait, là. Bah, je peux vous dire que... Il nous en manque un paquet, hein. Parce que là, si on veut les garder ici, ça veut dire qu'il en faut 3 de chaque. Donc, bon, il y a de quoi faire, hein. Bah, c'est pas grave, hein. Alors déjà, on en a 3 comme ça. Après, il y en a ici aussi, hein. Ceux-là, on les a, je les ai mis là pour le côté déco dans le salon, mais il faudrait qu'ils soient dans le coffre, quoi. Après, de toute façon, il faudra refaire les caves avec Ludo, donc on en récupère 2, après. Mmh. Et voilà. Après, du coup, on sera bon, je pense. Oui. Bah en fait, faut juste regarder. Il y a un BP là ? Enfin, il y a un truc ? Ouais, il y en a un. Je vais regarder ce qu'il faut pour faire les boss, tu sais, genre... Tu restes dans le coffre, Aurel ? Oui. Comme ça, je te dis de quoi on a besoin. Tu rollback. Alors... Tac. Alors, il faut, pour faire la broude, il faut des pots de Sarcosuchus, Argentavis, Titano et Sauropod. C'est 10 de chaque. Argentavis, après t'as dit quoi ? Titanoboa, venin. Il en faut 10. Vertèbre de sauropode, il en faut 10. Okay. Et peau de croco, il en faut 10. On est juste. Hein. Ok. Pour faire le Megapithecus, il faut des crêtes de spino, il en faut 10. Dents de mégalodon, il en faut 10. On en a pas assez. Tilacoléo, il en faut 10. Le mégalodon, je sais pas si on en aura assez. Qui est con. Griffe de pterinosaure, il en faut 10. Et toxine de mégalania, il en faut 10. Mégalania, je suis même pas sûr qu'on en ait une seule. Alors, t'as dit quoi ? Toxine de mégalania. Terry. Je vais vous les noter après sur le Discord. Et Tilacoléo, je crois. Ouais. Et après le dragon, là c'est autre chose. Hein. Tyrannosaure, 15. Allosaure, cerveau d'Allosaure, 10. Cœur de Gigano, 2. On en a même pas tué un seul. Basilo, 10. Yuti, 10. Et Tuzototis, 10. Ouais, c'est bon. Et alors, je vous parle même pas de la cave Tech Alpha. Pour info, cave Tech Alpha, je crois qu'il faut tous les trucs de Alpha. Donc, Rex, Carno, T-Rex, Tuzototis, Mosasaur, Mégalodon, et tout ça en x5. Donc, autant vous dire que c'est pas demain, quoi. Il va falloir farmer les Alpha après. On a Mégalodon en Alpha déjà, c'est bon. Raptor Alpha, on en a 4. On n'a même pas de Rex Alpha, je crois. On n'a pas de truc Alpha. Tyrannosaure Alpha, on en a. Mais du coup, Cerato, Venom, Spin, ça sert à rien, du coup. Ouais. Et pareil pour la corne de rhinocéros, Leno. Ah oui, putain, Mégalodon, j'avais pas compris, mais oui, oui. Ok, alors, on en a bien assez. On peut faire des colis, hein. Oui, des colis. Oui, bien vu, bien vu. Oui, effectivement, on peut. Bah, hey, Tuzototis, on a déjà 16 des tentacules. Ok. Carno et Tyrannosaure. On a même pas le truc de... Ah si, Raptor Alpha, il y en a 4. Raptor Alpha, oui, il y en a 4 en bas. Mais ça, du coup, ça sert à rien. Les... Ouais, ça, là. Si, bah, ça sert à Tam des Cerato, justement. Ah ouais. Avec des poches de sang, en fait, faut 15 poches de sang, 10... On va taper dans le... Enarco. On a un problème dans la base. Et du coup... On a plus les poches de sang, on est d'accord. On a un problème dans la base. Pourquoi ? Et ouais, on a plus les poches de sang. Ah, il y a un Serra. On va faire démonter. Ouais, il y a un Serra, bah tire au fusil à pompe, ça va être rapide. Voilà. Depuis quand un chalicotérium, c'est comme ça ? C'est territorial. Du coup, pour info, pour faire écouter comme ça, je vais vous donner des infos. Ouais, on a de la graisse de litchi, je sais pas quoi. On a pas de graisse de litchi.
Ok. Donc il faut griffe de raptor. En fait, c'est, il en faut qu'une, donc ça va. Une griffe de raptor, un bras de carno, un seul dent de tyranno, un aileron de mégalodon, une dent de mosasaur, tout en alpha, hein, un œil de tus de totis et une graisse de lichititis, là, je sais pas quoi. Voilà. Et après, bien sûr, il faut trophée de mégapithecus et tout. Voilà. Voilà ce qu'il faut. C'est tout en x1. Pas dégueu, hein. Un peu de taf, quoi. Hop. Il y a un peu de taf. Moi, de toute façon, vous faites un truc, vous ? Ouais. Moi, je suis en train de remplir la mangeoire. Il va être 23h, je pense que j'allais dodo aussi. Hein. Ouais, moi aussi, je vais arrêter là. On va remplir la mangeoire. Ça a été une belle petite soirée, mine de rien. On a récupéré combien ? 4 artefacts ? 5 ? 4, 5 ? 4, ouais. On a récupéré puissance, ciel, bête et rusé. C'est ça, 4 artefacts. 700 de bouffe, je crois. Putain. Les mecs qui parlent avec plus de bouffe qu'il y a dans le frigo. C'est toi, Sam? Pardon? Bon, allez, je reviens. C'est toi qui avais 700 de bouffe. Bon bah les potes, c'était une bonne soirée mine de rien, c'était grave cool, j'espère que vous avez kiffé, on va s'arrêter là, c'est encore un petit live de 3h, 3h15, c'était cool, pareil, donc là on a bien bossé là, en vrai c'était vraiment bien, n'hésitez pas à follow, à lâcher votre Prime si vous avez Amazon Prime et que... vous ne l'avez pas utilisé, ça te soutient toujours. Voilà. Je vous fais des bisous. Demain, pas de live pour ma part. On est mercredi, je suis off. Et on se revoit du coup jeudi soir pour aller faire certainement les deux dernières caves. Et peut-être que ce week-end, si on arrive à bien gérer, on fera tous les boss ce week-end. On essaiera. Voilà. Les potes, je vous fais des gros bisous. C'était cool encore, comme d'habitude. Et à demain. Non, jeudi. Jeudi, les potes. Allez, des bisous.